Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Ben, monsieur, bonsoir. Bonsoir à tous et bienvenue dans Quelle époque ? Ce soir, nous allons revivre les meilleurs moments de Quelle époque au programme du cinéma, de la mode, de la famille, des amis, du sexe. Tout quoi, avec tous nos rendez-vous du samedi, les chroniques de Philippe Cavrivière, évidemment, les impertinences de Paul de Saint-Cernin, les déclarations d'amour de Charlotte Desnos et l'indispensable Christophe de Chavannes, sans qui la télé ne serait pas la télé. C'est le meilleur de Quelle époque ? C'est parti et ça commence tout de suite. Toute jeune, c'est il y a très longtemps, et je me souviens, il m'a attrapée à la répétition, il m'a dit alors si tu veux le faire, faut le faire vraiment. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Dites-nous. Ah ben elle m'a dit déjà plein de choses. Déjà mon père c'était un temple d'humidité puisque quand il l'a vu, il a fondu complètement. Parce que c'est mon père qui m'a dit viens, il y a Dalida qui veut nous voir, parce que mon père c'est un peu Fernandel, vous voyez, viens, il y a Dalida qui veut nous voir. Donc on rentre dans la loge à Dalida, et donc là elle me regarde avec une grande tendresse dans les yeux, elle se pose, elle me dit venez vous asseoir, et là elle me dit j'espère que vous rencontrerez des artistes qui vous feront des chansons à la hauteur de votre voix et de votre gentillesse, et ça ne va pas tarder, voilà. On a vécu une passion, oui, qui n'a pas duré très longtemps, 2 ans seulement, mais enfin bon. Mais c'était passionnel ? C'était passionnel, oui, au début, c'était très passionnel. Disons que c'était une attraction, au début, c'était vraiment une attraction physique, sexuelle, etc. Après, ça devient de la tendresse. Sexuelle ? Ben oui. Non mais je vais vous dire, moi je vais vous dire. Non, ah non, parce que la passion c'est sans sexe. Non mais ça peut être, d'abord ça peut être sans sexe. Excusez-moi de vous dire, mais moi c'est mon chanteur préféré de tous les temps. J'étais amoureuse de lui quand j'avais 15 ans, mais je me suis toujours dit est-ce que sexuellement lui. Ah, il était tout. Il était. Non c'est pas ça, ça je m'en fous qu'il était tout. Est-ce que c'était un bon amant? Alors. Mais tout le monde meurt d'envie de le savoir. Il était mieux maquillé. Bonjour mon amour, comment tu vas? Oh, j'ai envie de te voir. Je vais rentrer bientôt. Qu'est-ce que tu fais? Et tu es gentil à l'école? Oh, t'es mignon. Est-ce que Carlos t'a donné les cadeaux? Ils te plaisent? Et tu le fais marcher dans ton bain, le dinosaure, là? Je te passe papa. Là, c'est le réalisateur François Reichenbach qui filme. Je cite son nom parce grand, qu'il est grand là. Grand documentariste. Et pardon de vous dire, il y a une quand on regarde ces images, il y a une immense tension sexuelle entre vous, quoi. On sent quelque chose. De... Ouais. Non, mais au mais moins. Non, mais pardon de te dire, Léa, mais pardon. Au moins, ça montrait pour toutes les mauvaises langues qui disaient que on faisait ça pour la presse, pour le business, voilà. Ça montrait que c'était vrai, quand même. Bah oui, là voilà. Franchement, là, ou alors vous jouez très bien, mais on a l'impression que vous vous aimez. On était tous les deux là. Et comment elle a réagi? Comment vous avez réagi? Moi, j'ai rien dit. Enfin, c'est elle qui a demandé combien de temps. Il n'a pas voulu lui dire. Elle a dit combien de temps? 4 à 6 semaines. OK, merci. Mais on peut faire ça? Non, on ne fait rien. Voilà. Mais en fait, ce n'est pas ça. Ce qui m'a le plus...
évidemment, je l'ai pris, je l'ai ramassé. Hein. Mais c'est qu'après, je lui ai dit, mais à quoi t'as pensé quand il t'a dit ça? Et elle m'a dit, merde, il y a mon fils qui entend ça. C'est vrai. Ouais. Merde, il y a mon fils qui est là et qui entend ça. C'est la première chose à laquelle elle a pensé, c'est pas je vais mourir, c'est merde, il est là et il entend ça. 13 mois, 28 jours et 5 heures. Il n'est pas si beau qu'on le dit. Il est beaucoup plus intéressant qu'on le pense. Tu l'aimes beaucoup ? Beaucoup, c'est un faible mot. Nat ! Nat ! Nat ! Il est très possessif. C'est-à-dire qu'il aime que les choses soient à lui ? À lui, et surtout même à ses amitiés. Il ne faut surtout pas y toucher quant à sa femme. Non, pas longtemps. C'est sacré. Enfin, j'espère. Vous l'avez vu récemment ? Et je l'ai vu il y a 4 jours, avec mes deux filles. Et voilà, on a passé une après-midi, surtout avec les petites. Il a passé beaucoup de temps avec elles et il était heureux, il était bien, mais ça va. Plus qu'avec vous, en fait, il préfère pas voir. Non, moi, ce jour-là, j'étais assigné à remplacer les tableaux. J'ai fait du bricolage pendant... Il m'a dit, tiens, mets celui-là, fais celui-là. Non, ça va pas. Je lui ai dit, non, tu veux pas qu'on mette celui-là. Donc pendant 3 quarts d'heure, j'ai fait ça, mais ça va. Moi, je suis né en août 78 dans un petit village au Maroc. Et quand je suis arrivé au monde, le docteur du village, qui était aussi vétérinaire et électricien, quand il m'a vu, il n'a pas compris. Il a dit à ma mère, bon, ben, celui-là, il ne va pas passer l'hiver parce que j'ai des problèmes de respiration. J'avais des problèmes de bronchiolite aiguë et d'asthme très prononcé. Mon papa, qui était ici en France, déjà depuis l'âge de 15 ans, il a dit, ben non, moi, cet enfant, il va vivre. Vous allez venir en France. Et puis, j'ai atterri à l'hôpital Necker. Et il décide de vous rapatrier en France, vous et toute la famille qui viviez au Maroc. Ouais, moi, ma maman et mon fils, et mon frère. Et vos sept premières années de vie, vous allez les passer à l'hôpital. Exactement. J'étais pas hospitalisé pendant 6 ans, hein, mais je faisais des allers-retours et j'étais à l'hôpital Necker. Et on a souvent cette phrase, souvent, même, on le dit même dans le rap, faut pas oublier d'où on vient. Moi, je viens de l'hôpital Necker et j'en suis très fier. Je repense à, évidemment, à l'histoire de ma mère. Ma mère s'est échappée à l'âge de 23 ans de Roumanie. Et c'était une des premières jeunes filles à s'échapper. Elle s'est échappée à Londres. Donc après, elle a dû rester 1 an à Londres parce qu'elle était réfugiée politique là-bas. Elle avait connu mon père, qui est venu au bout d'1 an. Donc c'est des choses évidemment qui résonnent. Moi, je suis tout le temps en train de remonter le moral de ma mère parce qu'elle est... Voilà. Là, elle a l'air d'aller bien, mais... elle souffre beaucoup. Parce qu'elle a été très courageuse, mais les traumatismes sont encore là. Est-ce qu'on guérit un jour de l'exil ? On ne peut pas parler de guérison. Enfin, c'est une façon de transgresser, de grandir, surtout quand
On a eu le privilège de faire ce que j'ai fait, c'est-à-dire partager toutes mes émotions avec tant de monde. J'ai passé ma vie sur scène, en fait. C'est ce qui me plaisait. Et qu'est-ce que vous avez de bulgare en vous? Qu'est-ce qu'il vous reste de l'âme bulgare? Ah, mais je crois que tout ce qui reste, c'est quand même l'émotion, les sentiments qui sont à vif, hein. Aussi bien la mélancolie comme la gaieté. Je crois que c'est ce que l'on dit des Slaves. Et c'est vrai que, de par certains côtés, ils ressemblent aux Italiens aussi. Il y a ce côté complètement démesuré entre la folie, la gaieté, et puis la mélancolie, les pleurs, les larmes, la profondeur. Vous avez toujours été comme ça? Vous avez été drama queen, comme on dit? Oui. Un peu too much, quoi. Too much en tout, d'ailleurs. Je m'en suis rendu compte, justement, avec les derniers événements. C'est quand je voyais les Ukrainiens partir que j'ai réalisé, là encore, sur le tas, ce qu'ont vécu mes parents. Moi, mon père, il est arrivé, la caserne d'en face, elle a explosé, boum, j'ai été soufflé par la bombe, j'avais 2 ans, il a dit à ma mère, oh, t'as 1 heure pour faire les valises, on s'en va. Et quand je voyais ces images, j'étais scotché, comme ça, on me disait, mais oui, c'est dur ce qui arrive, mais c'était dur, et en même temps, il se passait un truc terrible en moi, c'est que je n'avais même pas réalisé le courage, la douleur et l'histoire de mes parents. Il a fallu que je le voie sur d'autres personnes qui vivaient d'autres conflits. Vous n'avez réclamé la gloire ni les larmes, ni l'orgue ni la prière aux agonisants. 11 ans déjà, que cela passe vite, 11 ans. Vous étiez servi simplement de vos armes. La mort n'éblouit pas les yeux des partisans. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Qu'est-ce que vous avez ressenti, vous, l'Arménien, quand vous avez vu ça? Une grande émotion, une grande fierté, puis même, voilà, tomber pour la France. Mais moi, ce que j'ai ressenti, c'est surtout toute l'histoire de ma famille, de la maison oubliée, du côté du Haut-Karabakh, qui aujourd'hui appartient aux Azéris, et de ces Turcs. Et le génocide. Oui, des Turcs qui sont rentrés dans ce village. Moi, j'ai revu tout ce que mon père m'a raconté, tout ce que ma mère m'a, sans jamais de haine, sans jamais pointer l'autre, sans jamais. Il est arrivé ça. Voilà, tu feras ton histoire plus tard. Ça cheminera dans ta tête. La maison oubliée, les Turcs sont rentrés dans le village, à Chouché, où mes arrière-grands-parents sont enterrés, où je ne peux plus y aller. Je ne peux plus mener ma famille. Je voulais les mener là-bas, je ne pourrais plus jamais. Et donc, les Chouchaillants. C'est votre nom de famille, c'est ça. Parce que vous avez changé en Fiori à 14 ans. Vous avez pris le nom de votre mère. Exact. Et était en train de prier, et donc les soldats ont oublié une maison. Donc, je suis finalement un enfant rescapé du génocide. Voilà. Maître Corbeau sur un arbre perché, bon, tenait en son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, eut à peu près ce langage. Bonjour, monsieur du Corbeau. Que vous êtes joli. Que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. Oh. À ces mots, le Corbeau ne se sent pas de joie. Il faut montrer sa belle voix. Il ouvre un large bec. Laisse tomber sa proie. Le renard se saisit et dit. Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit au dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Génial, bravo. Le bonheur de votre vie,
le vrai bonheur. C'est d'être sur scène. C'est d'être sur scène. Absolument. C'est là une thérapie. Non, mais c'est plus. C'est vrai. C'est, ouais, mais non, mais c'est une véritable thérapie parce que sur scène, on est obligé de sortir tout ce qu'on a à l'intérieur, des émotions qu'on n'ose pas exprimer dans la vie normale parce qu'il y a la retenue, il y a la pudeur. Et sur scène, il faut y aller. Et c'est une bonne thérapie. C'est comme d'aller chez psychanalyste, en fait. Ça fait beaucoup de bien. Vous avez tourné avec des réalisateurs hyper prestigieux, Bertrand Tavernier, Régis Varnier, Alain Corneau, avec des acteurs iconiques comme Robert De Niro. Vous avez tourné avec lui, mais aussi Andy McDowell, Emmanuel Béart, Vanessa Paradis. Vous avez aussi, et ça on le sait moins, commencé à la Comédie Française. Oui. Vous avez commencé au théâtre, à dire Racine, Corneille, au théâtre. J'ai même commencé en jouant dans la rue et ensuite je suis allé à la Comédie Française. Ouais. Dans la rue, c'est-à-dire? Je faisais du mime burlesque. Et j'ai même craché le feu à un moment. Je faisais le tour de l'Europe comme ça. Vous savez, moi, je crois que je suis devenu comédien parce que quelque part, j'avais envie de prendre l'étendard des Le Bihan et de le planter en haut de la colline, quoi. On sent que vous avez besoin de cette reconnaissance. Oui, je crois. Ouais, je crois que j'ai fait comédien parce que par besoin de reconnaissance, c'est clair. Ouais. Pourquoi? Qu'est-ce que ça vient réparer? Non, je ne vais pas le m'allonger et commencer à raconter ma vie maintenant. Et non, on a tous des douleurs d'enfant, ouais, de l'incompréhension, voilà. Vous avez fait 6 écoles, mais vous avez un directeur d'école qui vous a sauvé parce que vous n'arrêtez pas de faire des conneries. Et il vous a dit un jour, je ne te vire pas si tu acceptes de faire les cours de théâtre du soir. Exactement. Et là... Il y avait des cours d'improvisation, de théâtre d'improvisation. Et les mecs, les gens qui faisaient le cours d'improvisation de théâtre, ils avaient dit à la prof de théâtre, écoute, il y a un mec, il est hyper marrant. Pour le spectacle de fin d'année, s'il est avec nous, on va assurer, on va gagner des trucs, on gagne des trucs. Et quand ils sont venus me voir, ils m'ont dit, ouais, le théâtre, je dis, c'est quand? Ils m'ont dit, c'est vendredi. Moi, quand ils m'ont dit vendredi, je dis, vendredi midi, le matin, je peux y aller, comme ça, je ne vais pas en cours. Mais ils m'ont dit, non, c'était vendredi à 18h. Et moi, je finissais à midi. Mon week-end commençait à midi et demi. Je dis, mais je peux pas aller au théâtre, je vais foutre la main là. Et après, donc, le directeur m'a dit, écoute, comme il savait que j'allais faire des bêtises, il m'a dit, bah, si tu viens de faire une bêtise, là, soit je te vire 3 jours, ce qui est l'équivalent de la guerre en Ukraine chez moi, ou alors tu vas faire le théâtre. Et donc, je suis arrivé, je fais théâtre d'improvisation. Et c'est vrai, quand j'ai pris la première fois les premiers rires dans l'improvisation, quand j'ai fait d'improvisation, les premiers rires que j'ai pris dans la gueule, mais qu'est-ce ça que vous avez ressenti là? Mais c'est une adrénaline que j'ai jamais, que j'avais que dans le football, mais comme j'ai jamais été footballeur, mais c'est un truc extraordinaire. Tout est très complémentaire. Vous savez, quand on est animateur, on est beaucoup sur l'autre. Vous voyez, vous laissez la place. Oui. On est beaucoup sur l'autre. Non mais vous-même, c'est important. C'est-à-dire que vous travaillez pour que l'autre soit le plus beau possible, entre guillemets. Et donc, vous travaillez beaucoup sur l'autre. Quand on est au théâtre, on travaille beaucoup sur soi pour donner les plus belles émotions possibles et avoir les plus beaux ressentis, quelque part. Voilà, ce métier, que ce soit animateur, animateur, comédien... Oui, merci Isabelle. Moi, je préfère, tout le monde fait une analyse. J'aime... Tu préfères. J'aime bien le spectacle vivant. J'aime bien me sentir bien, j'aime bien le partage. Tu réponds enfin, un quart d'heure. Tiens, vous préférez quoi, Alexandre? Vous préférez être sur scène? Vous préférez faire de... Moi, on était sur moi. Ça va, Isabelle, ça va. Il n'a pas parlé. D'accord, mais alors ne dites pas vous, Isabelle, alors vous... Elle est jalouse. Et elle m'engueule, elle engueule tout le monde. Elle vous engueule comme ça. Ah, mais alors vous pouvez même pas vous imaginer. C'est-à-dire que moi, je connais mon texte par cœur et qu'elle, vraiment, effectivement. Mais c'est comme ça, à chaque répétition, il se passe un truc. Alors chaque soir, ce sera différent. Vous êtes devenue une des comédiennes de théâtre les plus bankable, comme on dit aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on monte des pièces sur votre nom. Quasiment toutes les pièces, c'est quelques-unes des pièces que vous avez jouées ces 15 dernières années, ont été des gros succès. Alors que vous disiez avant, il y a 15 ans, j'avais très peur du théâtre, de ne pas être bonne, et soyons honnêtes, j'avais très peur d'être mal payée. Alors ça continue. J'ai très peur, pleine de doutes, est-ce que ça va marcher, est-ce que je suis légitime, et je suis toujours très mal payée. Vous la payez mal. Je la paye sans doute très bien, mais vous savez, c'est le vieil adage selon lequel c'est les producteurs qui raflent la mise lourde. Voilà. Il faut entretenir les mythes. Qu'est-ce que vous avez de Molière? Molière, on a tous quelque chose de Molière déjà parce que c'est devenu un emblème français. Et puis on ne sait pas beaucoup de choses sur lui. Donc forcément, quand on parle de Molière, on parle de soi. C'est ce que fait aussi Olivier dans le film. Et c'est ça que j'aime beaucoup. Et puis Cyrano, c'est les blessures de l'adolescence. Vous les avez, vous aussi? Bien sûr, on les a tous. Les râteaux,
l'amour par procuration, les complexes. Et puis Tapi, c'est la résilience, la force de conviction. Bon, après, il y a beaucoup de désirs de domination. Que vous avez aussi. De prendre le pouvoir. Vous avez un petit désir de domination? Non. Dites non, la vérité. Non, franchement, non. Non, mais il est acteur en même temps. Hein. Il joue des rôles. Oui, je joue des rôles. Non. Après, l'obstination, oui. D'ailleurs, Tapi, c'est un projet qu'on avait avec Tristan Segala il y a plus de 10 ans. On a mis beaucoup de temps à le monter. Ouais. Donc, l'obstination, oui, c'est un des points communs que mais je peux avoir. Mais pas la domination. Non, pas du tout. Ceux qui disent le théâtre, c'est pour les vieux. Moi, je préfère regarder Netflix. Vous leur dites quoi? Bah, d'abord, qu'ils se trompent, que ce sont des clichés. Quand on fait. Quand on draine autant de public, et Boudère est là et nous explique qu'il va faire le Dôme, et c'est quand même totalement incroyable parce que c'est beaucoup, beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde dans les salles, il y a des jeunes, il y a des gens un peu plus âgés, il y a beaucoup de styles de théâtre, et le théâtre va bien, contrairement à une idée reçue. Moi, beaucoup de gens me disent alors ça va bien, comment ça s'est passé après le Covid, c'est un peu larmoyant, oui. Ils viennent à mon chevet, bah, c'est juste qu'il suffit de fréquenter les salles et qu'elles se portent très bien, et qu'il y a beaucoup de monde dans nos théâtres. Et pour moi, chaque soir, être dans la salle et voir un public debout, un public ému, un public touché, apporter des réflexions sur la société, ou simplement faire rire, et parfois en faisant rire, on apporte des réflexions aussi sur la société, bah, c'est un immense émerveillement permanent. Si elle est trop grande, je vais être vexé, ça veut dire qu'à vue de nez. Voilà, vous imaginez ça à vue de nez. Sur les épaules, ça vous va bien quand même. C'est d'époque, c'est pour ça, il est canon avec Léa. Enfin, j'adore. Je vous. Alors. Petit chapeau, voilà. Ok, on y va. Votre partie. Chapeau est trop grand. Elle est en jeu. Non, il vous va super bien. C'est comme ça. Vous aviez imaginé comme ça. Allez. Allez-y. Jean-Luc, c'est à vous. En vert, et vous repartiez étant jeune. Allez, on y va, les garçons. Et Laurent et Charlotte sont assis à une terrasse de café. Elle a les bras croisés, fâchée que Laurent ne la demande pas en mariage depuis tant d'années. Charlotte, je peux mal jouer? Charlotte, ne pars pas, je t'en conjure. Que serais-je sans toi? Et cette magnifique chevelure. Laurent, tu te rends compte? Je suis la dernière de toutes mes amies à ne pas porter le nom de celui qu'elle aime. Laurent, très très emmerdé par cette situation qu'il a lui-même provoquée, tente un rapprochement, virgule, la regarde tendrement, virgule. En plus, il le sait, elle le trouve canon avec son manteau, il en joue un peu de sa petite veste qui lui va pas très bien. J'en rajoute un peu. Il passe sa main dans les cheveux de Charlotte et approche sa tête pour l'embrasser. Elle se fait plaisir. Non ! Enfin, que t'imaginais-tu ? Parce que tu t'appelles Laurent Lafitte, tu peux me rouler un palo, là, en plein milieu de ce plateau ? Laurent, écœuré par cet affront qui est fait à son nom, se lève, passe devant la table, lui prend la main pour l'emmener vers lui. Laurent est à la bourre. Laurent n'entend pas très très bien. Des didascalies. Il la serre où ça? Oui, par la taille. Il le voit maintenant, il sait lire. Il s'aperçoit que ce n'est pas du Cyrano, que ce n'est pas du Molière, mais qu'elle est quand même sacrée gaulée, la gonzesse. Et alors, il lui répond. Je ne suis pas Laurent Lafitte. Mais alors, me serais-je trompé durant toutes ces années? Super fier de la réplique qu'il s'apprête à donner, Laurent regarde le public. Merci. Et là, il lui répond. Charlotte, mon véritable nom est Laurent Lafitte de la Comédie Française. Ouais. Certes, ça a de la gueule. Mais encore? T'as de beaux yeux, tu sais. C'est trop facile. Elle est pas toi, celle-là. Mais elle te Laurent, ne tenant plus ébloui par les yeux de cette jeune partenaire, se jette à l'eau, alors. Oh Charlotte, veux-tu m'épouser? Sous le régime de la séparation de biens. Oui. Il la regarde, il ne sait pas si le public attend qu'il s'embrasse. C'est un peu gênant tout de même.
Et en même temps, c'est elle qui a écrit le texte. Peut-être qu'elle n'attend que ça, finalement. Si ça lui permettait d'entrer, elle aussi, un jour, à la Comédie française. Il hésite. Ça va? Il est bien le plan de table. Alors, je ne sais pas qui. C'est moi. Non, c'est moi, je me suis dit. Non, mais il met à l'aise et tout. Sinon, non, l'émission est vraiment bien. Ce soir, elle est vraiment bien. Vous avez regardé la semaine dernière ou pas? Oh, la semaine dernière, c'était long. Oh là là, c'était pénible. C'était tellement long. Regardez, on recevait Aurélien Lejeune, l'homme le plus fort de France. Ça, c'est lui au début de l'émission. Eh bien, figurez-vous qu'à la fin de l'émission, il ressemblait à ça. Oh. Il a pris un coup de vieux, comme disent les ex de Benoît Jacquot. Mercredi, Gabriel Attal a tenu une conférence de presse pour annoncer des mesures en faveur des agriculteurs. Eh oui, 6 semaines que Gabriel Attal est Premier ministre, déjà. Ça grandit trop vite à cet âge-là, nous. On l'a connu, il était comme ça. Bref, oui, une nouvelle fois, il a tenté d'apaiser la colère des agriculteurs. Il est là pour calmer notre Gabriel. En fait, il n'est plus Premier ministre, c'est une tisane, les deux marmottes, un peu. Voilà son rôle. Alors, il est très fort. Patrick Timsit le disait, il est très fort en com. Il écoute beaucoup, et puis après, il parle très, très vite. En fait, il saoule de parole l'interlocuteur, et il sont un petit peu hypnotisés. Donc, en fait, c'est la même technique que Gérard Miller, mais en gardant son froc. Quoique, quand les paysans se réveillent, ils se disent, dis donc, on n'aurait pas essayé de me niquer un petit peu quand même. Ouais, en fait, il fait tout comme Gérard Miller. Un mot sur les rumeurs de rivalité entre Emmanuel Macron et Gabriel Attal. Selon certains, le président serait irrité par l'activisme du Premier ministre. Alors, c'est vrai qu'il n'arrête pas, Gabriel Attal, il bouge tout le temps. Emmanuel Macron commence à se demander s'il n'aurait pas dû le faire vermifuger en même temps que Nemo. Alors, Gabriel Attal est à droite, mais il y a la même tristesse dans le regard. Hein. Il se ressemble énormément. Bon. Mercredi, le couple de résistants communistes arméniens Missak et Méliné Manouchian est donc entré au Panthéon. Alors, le Panthéon, qu'est-ce que c'est? C'est le cimetière le plus sélect de France. Alors, bah, attention, il faut avoir fait 2-3 petites choses pour mériter ça. À vue de nez, autour de la table, ne le prenez pas mal, mais je ne vois pas... Peut-être Teddy, parce que j'ai peur, mais bon, faudrait 3 places, tu vois, Diego, ça prendrait trop de place. Mais sinon, non, au Panthéon, c'est quand même, pardon, c'est un autre niveau. Il y a Jean Moulin, mais il a combattu les nazis. Il y a Victor Hugo, il a quand même écrit Les Misérables. Il y a Pierre et Marie Curie, alors, ils ont fait des trucs avec des éprouvettes, ça, je maîtrise pas trop. Alors, désolé, Léa, mais présenter les victoires de la musique avec Cyril Ferraud, ça ne suffira pas. Voilà. Je dis pas que c'est foutu, mais c'est mal barré voilà, à l'heure d'aujourd'hui. Alors, les martyrs du groupe Manouchian sont des héros. C'est l'occasion de rappeler à tout le monde ce que la France doit aux immigrés, les Arméniens, les Hongrois, les Polonais, les Roumains, n'est-ce pas, Michel? Et on voit ici les membres de ce réseau de résistance au moment de leur arrestation. Alors, vous noterez qu'il n'y a qu'une seule femme. Regardez, 1, 2, 3, 4, deuxième ligne en 6e position. Bref, mesdames, la parité, c'est quand ça vous arrange. Voilà. Non, mais ne râlez pas. Voilà. Non, mais voilà, hein, la charge mentale, elle devait dire, bon, allez-y les garçons, moi, il me reste un peu de ménage, j'ai du repassage. Allez faire sauter le train à ma place. Voilà. Et si on zoome en bas à droite, il y en a un dont... Il y en a dont... beaucoup des résistants. Alors lui, c'est vrai que son physique m'interpelle. Je me suis dit, la petite mèche, le petit air mutin... La moustache verticale, je dis, je cherche le nom depuis 2 jours. Rodolphe Balmer, ben ça va me revenir.
Emmanuel Macron a exhorté les alliés de l'Ukraine à ne pas être lâches face à la Russie et à reprendre l'initiative pour remporter cette guerre. On va en parler tout à l'heure avec vous, Mélissa. Oui. Alors, l'attitude belliqueuse de Macron ne fait pas l'unanimité. Le chancelier allemand Olaf Scholz prend ses distances. Scholz, qui n'a pas seulement un nom de chausson orthopédique pour senior vendu en pharmacie, il en a aussi le charisme. Avec cette tête, voilà, tu fais le dîner de con, mais c'est pas crédible. Alors, le chancelier allemand l'a dit, vous le savez tous, si vous avez comme moi acheté le Frankfurter Allgemeine ce matin. Il a dit très précisément, der französische Präsident Macron hat auf einem Besuch in Prag gefordert, sich nicht feige. Ah merde. Sich nicht feige. Ah merde. Den Herausforderung des Unkrieg zu verschließen. Qui veut commenter en premier? Mélissa, Léa, c'est vous qui voyez. Mélissa, je vous laisse. Elle répondra après. Non. Jeudi, Vladimir Poutine a répondu à Emmanuel Macron qui envisageait l'envoi des troupes au sol. Le président russe a déclaré « Nous aussi, nous avons des armes capables d'atteindre vos cibles sur vos territoires. » Pardon, j'ai commencé à apprendre l'hymne russe. Ça peut être utile dans les prochaines semaines. Voilà. Alors, la grosse différence entre un Poutine et un Macron qui menace, c'est qu'il y en a un des deux qui est sérieux et l'autre, c'est Macron. Voilà. Vous vouliez évoquer notre nouvelle ministre de la Culture, Rachida Dati. Mais la culture, c'est important. Vous aurez reconnu, bien entendu, le concerto pour clarinette de Mozart, emmené par la Philharmonie de Vienne et Herbert von Karajan. À la baguette, concert en contrut majeure et sol meunière, avec double loop et triple axel. Putain, je suis pas du tout crédible. On dirait Rachida Dati. Je n'y connais rien, ça se voit. Alors, on souhaite bonne chance, bien sûr, à Rachida pour son nouveau poste, mais on souhaite surtout à Rachida bonne chance pour l'après ministre de la Culture, parce que ça a double tranchant. Après être passé rue de voie, il y a deux voies possibles. Il y a la voie royale, celle de Malraux. C'est un livre de Malraux. Mmh. Ah, on ferme bien sa gueule, on ne l'avait pas, celle-là. Alors, André Malraux, qui finit donc au Panthéon. Et puis, il y a l'itinéraire bis, celui emprunté par Roselyne Bachelot, qui finit aux grosses têtes. Enfin, qui finit. Elle est toujours vivante, Roselyne. Enfin, à l'heure où je vous parle, je crois. Voilà. Lundi, la France pourrait devenir le premier pays à faire entrer l'IVG dans la Constitution. Ça, c'est une formidable nouvelle, historique et nécessaire, parce qu'entre Joël Guerriau, vous savez, c'est celui qui met des petites surprises dans le verre de ses collègues pour faire du zizi avec. Parce que sinon, à la régulière, il n'y arrive pas. Puis il y a un autre sénateur qui fait du sexe avec l'assistante médicale. Donc, au Sénat, le sujet de l'IVG est primordial. Bon, même si à l'âge des sénateurs, on ne va pas se mentir, on a la semence un brin fatigué. Alors, les sénateurs arrivent à un âge où tu ne sais plus très bien faire la différence entre la jouissance et une petite fuite, finalement. Les deux se confondent. En tout cas, sur CNews, ce ne sera pas la joie lundi. Les journalistes de CNews ont décrété une journée de deuil éditorial. Charlotte Dornelas portera un voile noir, Pascal Pro troquera sa cravate de satin rose contre un nœud coulant et Elisabeth Lévy noiera son chagrin dans son cocktail préféré, le GPS, Jet Pastis Suze. Comme d'habitude. Et on termine avec Frédéric Mitterrand, on ne pouvait pas ne pas en parler, l'ancien ministre de la Culture qui est décédé jeudi à l'âge de 76 ans. Eh bien oui, très bel hommage de Rachida Dati, justement, qui a déclaré... Frédéric qui? Mitterrand, le nom me parle, hein, pourtant. Alors, Frédéric Mitterrand, c'était un homme d'une immense culture, très complet, un touche-à-tout. J'ai rien dit, hein. C'est vous. Un touche à tout en bibliothèque et en vacances. Il l'a écrit dans le livre. La mauvaise vie, voilà. Alors moi, je l'ai croisé le 12 janvier
Il est venu à RTL et il avait niqué ma chronique, mais avec brio et virtuosité. Mais il m'a niqué quand même. Regardez. On va pas arriver au bout. Moi, je vais vous la plomber. Non, oui, je vois bien. Je vois bien que c'est le projet. Oui, alors, c'est un moment où il était, bon, Frédéric Mitterrand, quoi, libre, insolent et volubile, malgré la maladie. Et ça, c'est très touchant. Quelqu'un dans la maladie qui rit 3 mois avant sa mort. Et ça a donné ça à la fin. Merci Frédéric Mitterrand d'être resté avec Calvi. Nous. Bonne merci journée. Amandine. Venez nous voir plus souvent. À bientôt. C'est bah oui, bah invitez-moi plus souvent. Ouais. Alors, ça va être un peu compliqué pour l'inviter plus souvent, mais cher Frédéric Mitterrand, ceux qui vous aimaient vous convoqueront dans leurs souvenirs. Nous, on se rappellera de l'homme de télé, du grand ministre de la Culture qu'il était. Même je crois qu'il avait demandé l'éducation et la jeunesse, lui, mais à la base. Il y a quelques années, votre père déclarait « Je ne voudrais pas que mes enfants se déchirent comme les Hallyday ». Ouais. C'est raté ? Non, c'est pas raté, parce que, si vous voulez, les Hallyday, enfin, je sais pas pourquoi, j'ai même pas envie de parler de ça, pourquoi ils se sont déchirés ou quoi, ou qu'est-ce, mais, je l'ai dit, peut-être que j'ai fait une erreur, c'est d'avoir voulu, c'est-à-dire que les journalistes, en fait, ont commencé à parler... Le pognon, parce qu'en fait, ça obsède les gens, le pognon. Et c'est vrai, je peux attendre. Oui, oui. Et donc, j'ai été le premier jour, j'ai dit, écoutez, il n'y a pas d'histoire de pognon. Voilà, c'est comme ça, c'est clair, c'est réglé, c'est acté. Comme ça, on n'en parle plus. Ça, c'était peut-être une erreur, parce que du coup, je les ai excités encore plus. Mais... En fait, c'est vous qui faites... T'as que tu refais là, d'ailleurs. Comment ? Non, c'est ce que vous êtes en train non, de refaire là. Non, mais maintenant... On n'a plus rien à foutre. Non, mais c'est vous qui faites la couve de Paris. Attendez, non, non, mais attendez, oui. Laisse-moi finir. Et donc, parce que là, vous me parlez de se déchirer. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'en fait, après, qu'est-ce que j'ai expliqué ? Cette guerre dont on parle, c'est une guerre d'éthique. Pour moi et pour mon frère, c'est une guerre d'éthique, c'est une guerre de valeur morale. C'est pas une guerre de pognon. Parce que sinon, j'aurais fermé ma gueule et je l'aurais laissé partir en Suisse, mon père. Et mon frère, idem, on a tout à gagner là-dedans. Donc ça n'a... C'est pas... L'argent n'a rien à voir là-dedans. Les rapports entre Alain Delon et son fils sont les rapports de chaque père avec un enfant. À ceci près, avec une toute petite pointe de différence, c'est que je suis un personnage public. Je suis, comme l'a dit Alain Jérôme, une star. C'est souvent difficile d'être le fils d'une star parce qu'on voudrait exister par soi-même, on voudrait s'affirmer, on voudrait se réaliser. On peut être quelquefois fatigué ou lassé d'entendre les gens vous dire « Ah bah dis donc, Anthony, c'est le fils de Delon, ah bah oui, parce que... » Et c'est une chose qui peut excéder un enfant. Et ça fait que des rapports peuvent être tendus et peuvent être difficiles. Mais pas plus qu'entre tous les pères et tous les fils, ou toutes les mères et toutes les filles du monde, je vous l'affirme. Ce qui se passe depuis 3 mois, expliquez-nous. Il y a eu la une de match d'abord, ensuite vous avez déposé une main courante contre Anouchka, puis ensuite il y a eu... Ça, je refais un petit peu le film pour ceux qui étaient sur Mars. Enfin, la main courante, ça n'a aucun effet, si vous voulez. C'est une espèce de... c'est une semence. Une non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi tout un aspect juridique où votre père a aussi porté plainte contre vous pour diffamation. Non, mais ça, c'est faux. Calomnieuse. Ça, c'est pas vrai. Ah, ça, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Ça, alors, ça, c'est l'avocat qui a raconté des conneries. C'est faux. Mon père n'a jamais déposé plainte contre moi pour dénonciation calomnieuse, pour je ne sais quoi. Il l'a jamais eu au téléphone le 4 décembre. Non, mais c'est faux. Mais je peux vous dire qu'il y a quand même beaucoup de mensonges qui ont été dits, notamment par les avocats, dont celui-là. Mon père, ça s'est réglé en 3 minutes. Je l'explique, je le raconte. Je ne vais pas le raconter ici, mais en gros, je me suis assis. 3 minutes après, c'était réglé. Mais votre père, il ne regarde... m'a jamais attaqué. Mais il père. Regarde ce qui se passe là, ses enfants en train de se déchirer. Il approuve ça. Écoutez, pour moi, c'est le sens du devoir. Voilà, c'est tout. C'est-à-dire que, après la mort de ma mère, mon père m'a dit un jour. Il m'a dit, est-ce que tu t'occuperas de moi comme tu t'es occupé de maman ? Je lui ai dit oui, si tu me le demandes. Bon. Et je l'ai dit tout à l'heure, c'est une question d'éthique, c'est une question de valeur morale. Écoutez, vous savez, parfois, les parents, les enfants d'ailleurs aussi, ont fait des choses pour eux et ils s'en rendent pas compte ou ils veulent pas le voir. Parce qu'effectivement, il m'a dit, ne t'en prends pas à ta sœur. Et je lui ai dit, je m'en prends pas à elle, elle est juste sur mon chemin. De Gaulle disait... Dans le tumulte des hommes et des événements, la solitude était ma tentation. Vous connaissez ça ? Dans le tumulte des hommes et des événements, la solitude était ma tentation. Maintenant, elle est mon amie. C'est un peu où j'en suis.
J'aurais eu 100 ans, ça fure. Maintenant, je suis vraiment heureux, seul, dans mon coin, avec mes bêtes. Parce que tout ce que je vois, tout ce que j'entends, ça me révulse et ça m'écœure. Qu'est-ce qui lui manque au monde d'aujourd'hui ? Des gens qui s'aiment. Il y a une phrase d'Oscar Wilde qui dit « On commence par aimer ses parents. Quand on grandit, on les juge. Parfois, on leur pardonne. » Est-ce que vous avez pardonné ? Oui. Oui, sinon, je n'aurais pas pu vivre. J'aurais été bouffé par la colère. Et est-ce qu'aujourd'hui, qui vit son crépuscule, vous arrivez à lui parler, à lui dire des choses oui. que vous ne lui avez jamais dites ? Non. Non. Je lui ai dit des choses que je ne lui avais jamais dites il y a 2-3 ans, mais pas là. Tout de suite, non. Mais on s'est tout dit. Enfin, moi, je lui ai tout dit. Ladies and gentlemen, tonight, from Las Vegas, a very special evening with Miss Sylvie Vartan. And now, Mr. Gene Kelly. And tonight, we are about to welcome a new member to the family. Her name, Sylvie Vartan. Américaine, vous arrivez, l'affiche qui annonce votre spectacle aux États-Unis à Las Vegas, c'est une immense affiche de 15 mètres sur 5 où on peut lire le plus beau cadeau de la France depuis la Statue de la Liberté. Oui, carrément. Mais je n'avais pas la même pose. Ça fait quoi quand on a... Quand on est toute jeune femme comme ça, une jeune fille même, qu'est-ce que ça fait quand on arrive à Las Vegas avec la réputation de Las Vegas, avec le nom que ça peut évoquer? Qu'est-ce que vous avez vécu à ce moment-là ? Ça vous paraissait être un truc léger dont vous ne vous rendiez pas compte ? Ah non, c'était vraiment un truc énorme. C'était un rêve abouti. Oui, voilà. Et puis une peur bleue. Et puis en même temps, j'étais très amoureuse à l'époque. J'étais poussée par beaucoup de feu et beaucoup d'envie et de désir. Et, amoureuse de votre mari actuel. Amoureuse de qui alors ? Mon mari actuel, oui. C'était bien lui. Oh, oui, j'en ai eu que deux. Hein. Faites ce que vous voulez. Très hein. spéciaux. Oui. Ah, il est spécial vous aussi. Vous avez que deux hommes dans... Sylvie, oui. Vous avez que deux hommes dans votre vie ? Non, deux maris, elle a dit. Oui. J'en ai eu beaucoup parce que... Deux et demi. Dès mon plus jeune âge, en fait, j'étais entourée d'hommes. Mon père, mon grand-père, mon frère... C'est pas pareil. Non, mais c'est parce que... Bah oui, non, mais ça... Normal. C'était pas le sens de ma question, mais c'est pas grave. Charnellement, après... vous n'avez connu que deux hommes dans votre vie. Non. Ah, mais j'étais mariée que deux fois. Est-ce que par exemple, vous ne vouliez pas lui foutre la paix, par exemple, là-dessus ? Alors, il faut savoir déjà une chose, je ne suis pas seul. D'accord ? J'ai une épouse qui m'accompagne depuis très longtemps déjà, qui sans elle, bien sûr, finalement, on n'aurait pas fait ce qu'on a fait aujourd'hui. Ça, c'est déjà un critère très important. Vous lui devez beaucoup ? Bien sûr, bien sûr. Y compris le premier lancement dans l'hôtellerie, où tout d'un coup, c'est la cata avec ce château acheté, et vous vous lancez dans un truc où vous vous rendez compte que y a rien qui va et qu'il faut tout refaire. Oui, je m'en rappelle très, très bien, mais c'était une super belle aventure. C'était au château des Renards, effectivement. Ouais. C'est notre premier poste à tous les deux, et Dominique commençait. C'était la première fois qu'elle mettait les pieds dans un hôtel-restaurant. Donc voilà, on a vécu plein de choses ensemble, et puis aujourd'hui, on s'est construit tous les deux. On est partis vraiment au bas de l'échelle. Et voilà, on a fait ce parcours ensemble, et aujourd'hui aussi, on a une très belle équipe. Qui nous suit et qu'on adore. C'est vraiment une personne que j'ai rencontrée il y a quoi, 3 ans et demi maintenant, et qui est exceptionnelle. Et alors, en termes de travail, de créativité, de rire, de générosité, de simplicité, c'est vraiment la personne la plus extraordinaire du monde. Top. Oh, c'est beau mignon, ça. Ça m'étonne pas. Et comment on s'y prend pour pécho la femme la plus extraordinaire du monde ? Ben, je pense qu'il faut être à son niveau. C'est-à-dire peut-être l'homme le plus extraordinaire du monde.
on voulait montrer la réalité, parce que c'est, moi, je suis pas du tout pour les réseaux sociaux en mode tout est beau, tout est rose, tout est parfait dans nos vies. C'est pas forcément le cas, et c'était important aussi pour nous de le montrer qu'en couple, oui, travailler ensemble, c'est un challenge. Mais vous vous prenez la tête violemment, hein, on le voit dans le truc. C'est ouais, pareil. Ouais, ouais. Vous êtes dur, vous, avec elle. Hein. Diego est un peu toute la journée, il vous dit arrête de pleurer. Vous, vous êtes hypersensible, et il vous dit arrête de pleurer. on est différents. On est très différents. Je pense qu'on se répète assez bien là-dessus. C'est-à-dire que là, là ça se passe bien, quand même. Ouais. Non, mais... Non, l'amour rend pas triste. L'engagement peut rendre un peu triste. On va nous en parler, Laurent. Voire même déprimant. Voilà, parce que je suis un peu... Vous êtes d'accord, Isabelle? Ah oui. Voire destructeur. Non, mais on peut avoir peur toujours que l'herbe soit plus verte ailleurs. Et... Mais que sur son pull. Elle l'est. Elle l'est plus verte ailleurs? Oh oui. Ah oui, forcément. C'est toujours mieux ailleurs. Vous, vous n'êtes pas d'accord, Jean-Luc, avec ça? Ah non, moi, je ne suis pas d'accord, je suis hyper fidèle. Vous me connaissez, en plus, vous connaissez ma part. Mais ça n'a rien à voir. Hein. Ça n'a rien à voir avec la fidélité. Si, pourquoi, Laurent? L'engagement et la fidélité? Non, mais moi, je trouve que c'est un beau pari sur l'avenir de se dire d'aimer quelqu'un et d'essayer de garder ce jardin. Ah non, mais bien sûr, quand les histoires durent, c'est très beau. Mais parfois, il y a des histoires qui durent de manière tellement artificielle qu'elles font plutôt plus peine que certaines qui durent 6 mois. Ah, oh, je suis tellement d'accord. Vous pourriez vous inscrire sur un site de rencontre comme elle? Non, je crois pas, mais bon, je sais pas. C'est pas parce que ça veut pas dire que c'est pas bien, mais ça, je vois pas la vie comme ça, moi. Bon. Elle... Vous n'avez pas besoin. Oh, Titi! Ah bah vous avez gagné la soirée, vous avez bien fait de venir. Ah ouais. C'est vrai que vous n'en avez pas besoin. Moi je trouve ça très bien. Moi, Mais sûrement, non, mais sérieux. Mais j'ai plein de copains qui s'inscrivent, bien je trouve sûr. Ça super, mais je sais pas, je me vois pas... Enfin, Michel Larocque, tu vois. Bah, j'ai plein de copains. Ah bah ouais, je vais voir Michel Larocque. À 18h, on a rendez-vous, un petit hôtel, en bas, on joue au bar. Si ça fonctionne, on voit. Il est sur Tinder, lui. Oui, c'est Tinder. Vous. J'aurais rêvé, moi. Ouais. J'aime avoir rendez-vous. J'aime pas partager le quotidien. Puis d'abord, je suis très solitaire. J'aime bien qu'on me foute la paix. Et donc, mais j'aime les rendez-vous. J'aime me préparer. J'aime et partager la vie avec quelqu'un. J'ai l'impression que je sais pas. C'est routinier. C'est difficile. Je ne sais pas, je ne connais pas. Mais je ne pourrais pas, je n'ai jamais pu. Alors, The Ring, il est où, The Ring? Il est là, mais le wedding, il est où? Parce que le mariage... Pardon, mais vous êtes... Non, parce que j'ai suivi. En 2022, ils se sont fiancés. Ouais. On est en 2024, c'est toujours pas de mariage. Ah bah non, mais alors, franchement, je ne pensais pas que c'était aussi compliqué d'organiser un mariage. On avait plein d'idées, on voulait faire plein de trucs assez dingues, et la réalité nous a vite rattrapés. On a plein de projets. On a des attentes qui sont certainement trop importantes pour le lieu où on aimerait faire cette fameuse cérémonie. Ouais, c'est quoi ce lieu? Ça veut dire que c'est fini le mariage, vous n'allez pas vous marier? Château de Versailles. Non. Ça veut dire qu'on... Ça veut dire que vous n'allez pas vous marier? Ah non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, mais vont réviser leur... En fait, si vous voulez tout savoir, c'est sur mon Instagram. Faire un blind test, disco, tout le monde peut jouer, on y va. Le nom de l'artiste, le nom de la chanson, c'est parti. Chaprelle. Gloria Gaynor. Ouais. Ah, je connais. Monday, Dalida. Attention, faut marquer mon téléphone, en trouver une. Ouais, j'essaie. Sheila Spacer. Diana Ross. I'm coming out. Diana Ross. Ah, on nous fait ça. C'est une émission de viol.
pour les gamins. Elle connaît, allez, c'est parti. Bonnie M, non, pas Bonnie M. Non, pas Bonnie M. Oh. Elle est française. Oh, Karen Cheryl. La dernière. Carla Bruni. Non. Pas disco. Amanda Lear. Ouais. Amanda Lear. Ouais. I don't like disco. I don't like disco. Amanda Lear. Connaissez. Oui, j'ai défilé pour lui, il m'a habillé, j'ai vu tous ses spectacles, ses défilés de mode, et il a... Là, on va voir, c'est moi, ça. Et ça, c'est vous, en Gauthier. Ses adieux, ça, c'était les adieux, ça, c'était les adieux. Disons ses adieux. Et toi, les adieux à la pudeur, c'était toi qui m'avais demandé de faire encore plus court. Ben oui, parce que... J'avais pas osé. C'est pas vrai, elle voulait... Et en plus, il y avait des escaliers, alors si vous voulez... Envoyez ma queue. Voilà. Voilà. Alors disons qu'en voyant, normalement, ça paraissait presque tout à fait décent, mais après, venant d'un escalier, voilà, là, c'était autre chose. Vous avez envie de le voir à poil? Non, parce qu'il est tout le temps à poil. Ça va? Non, il est tout le temps. Je vous dérange pas trop? Mais dis-toi. Tu veux que je te le montre, Isabelle? Parce que je te le montre, hein. Non, non, tu sais, j'en ai tellement vu. Non, non, non. Plus sexy comme ça, en rouge, là, ouais. Un petit peu. Là, on imagine. Sinon, à poil, on imagine. Non, mais oui. Justement, c'est on n'imagine rien, mais on a quand même les photos. Parce qu'il adore se prendre en vidéo quand il est sur la plage ou quand il est sur la piscine, quasiment à poil, en moule bite. Voilà. C'est mon œuvre. C'est bon. Oui, oui, j'ai le dé. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc avec le. J'adore faire ça sur le moment. Et en public, j'ai envie de m'enterrer. Qu'est-ce que vous avez avec le moule beat? Mais je sais, je sais pas, ça me fait marrer. Je sais pas. Je trouve ça joli. Il y a un truc rétro qui c'est me Aldo plaît. C'est Aldo Machione, vraiment. Alors, même en Italie, vous allez en Italie, les mecs bronzent comme ça, quoi. Ah oui, oui. C'est, mais plutôt, t'as c'est des petites poignées, hein. C'est, ah bah. Non, mais t'as bronzé avec un short. Mais oui, je bronze toujours avec un short. Regarde, t'aurais pu faire un raccord maquillage, les cuisses, là. Paul de Saint-Sernin. Et quel conseil vous donneriez à une petite fille qui rêve de devenir chanteuse, à qui on dit t'es grosse, t'es moche, ton costume vert est dégueulasse? Et même le fuchsia que vous n'avez pas vu le jour de l'Eurovision, il était peut-être encore pire, ça me donnait un très très mauvais teint. Ah ben on va le voir. Parfait. On va le voir parce que ah non, je dois ça... dire que non, c'était pas. Raté. Ah, c'était là c'était bien. Raté, Lara, il faut et, dire les choses. Et vous n'avez même pas vu le bustier en dessous. Ah non, j'ai pas vu le bustier, je n'ai vu que cette robe. Ce... Non sais, mais c'est... parce qu'on en parle de la coiffure aussi. Bah, si vous voulez, non, c'est si marrant que vous disiez ça parce que j'ai... on en parle après parce que les gens ont envie de voir. Et là, quand j'ai vu, j'ai dit, elle est mieux en blonde. Ça c'est vrai, on regarde. Je suis un bébé, j'ai 18 ans. Et on a les yeux pour la vie, hein, visiblement. Ouais, hein. Ouais. On a les yeux pour la vie, hein. C'est fou. Hein. Oui, vous avez vraiment... Bon, vous avez votre... Mais rien ne va. Et qui a gagné? Rien ne va. Enfin, c'est une cacophonie. Gonflé, hein. et qui a... Moi, je trouve ça très bien. Maman. C'était maman. Ah, mais maman qui m'a pardonné. Qui a gagné? Qui a gagné? Céline. Ah Céline, oui, bah voilà, ça va. Le Luxembourg. Alors, le sud était gratiné. Vous avez vu la bas-jour? Ah oui, non, franchement. Est-ce que toutes les deux, là, je ne sais pas qui gagnait ce soir-là.
On ne voit pas la jupe. Montrez la jupe. Allez, on va chercher la jupe, s'il vous plaît. C'est non, ça, c'est Elvis Presley. Ça, c'est l'instant. Vous vous êtes trompé de photo, c'est Elvis Presley. Je ne sais pas ce qu'on avait dans les années 80, instant mais sincèrement, ne soignez pas. Vous aviez un côté influenceuse, puisqu'avec vos robes pailletées, on va aller voir vos combis dorés, vos dos nus, vous avez inspiré plein d'artistes aujourd'hui. C'était hyper important pour vous, le costume de scène, et on va le voir. Ouais. Moi, en revoyant les images, je me suis dit quand même, elle avait ce sens du costume de scène. Par rapport à d'autres chanteuses, je ne compare pas, mais un peu quand même, vous aviez un... Il fallait que ça brille. Mais j'ai été portée aussi et puis abordée par des gens de grands talents comme Yves Saint-Laurent, qui m'a beaucoup inspirée, qui m'a beaucoup appris, parce qu'il m'a confectionné des costumes extraordinaires. Il aimait faire ce genre de spectacle. Et c'est vrai que j'ai été très gâtée parce que j'ai des robes absolument toujours splendides. Si vous deviez relooker une seule personne autour de la table, ce serait qui et pourquoi Monsieur Perrotin? S'il a l'œil critique comme ça, c'est lui qui va être capable de le relooker, je crois. On a dit pas les habits. Je vais vous dire une chose. Dans son champ de vision, alors je m'en prends plein la figure depuis le début. Même quelquefois, vous savez, ce qui est inspirant, ce ne sont pas les gens qui sont bien habillés. Ça n'a rien d'inspirant. C'est au contraire, les gens qui font des erreurs et tout. Ça, c'est inspirant. Parce que de l'erreur. Vous aimez bien le mauvais goût, quoi. Oui, non. Même le mauvais goût. Oui, ben, oui s'il y a, si a un goût, s'il y a un parti pris. Bon, écoutez, une fois, j'avais vu quelqu'un qui ne devait pas avoir la tête très bien en place et qui avait mis, une fois, un hiver, un pull par-dessus son vieux par-dessus, très moche et tout, par-dessus comme ça. Et je me suis dit, ah, formidable, c'est une nouvelle façon de fermer. Pas la peine de mettre des boutons pour fermer des vestes ou pour fermer des manteaux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quelquefois, des erreurs, des choses comme ça qui ne sont pas bien, eh ben, ça donne des idées. Voir la beauté là où elle n'est pas. Où on croit qu'elle n'est pas. Exactement, ça, c'est une belle phrase, ça. Merci, Jean-Paul. Là, quand même, sur la beauté, je trouve qu'on n'a jamais fait mieux qu'Amanda Lear, qui a quand même dit « Mon secret de beauté, m'asseoir à côté d'une moche ». Oui, c'est vrai. J'attends que je te rejoigne. Ok. C'est une petite story pour vous dire coucou, pour vous dire qu'il me reste encore 3 cycles de chimio avant de passer à la partie chirurgie. Mes chimios durent assez longtemps. Par exemple, la première, elle a duré plus de 7 heures. Le traitement fonctionne bien, donc ça m'a donné un coup de boost supplémentaire. Je viens de voir le chirurgien et tout est OK. Ils n'ont pas eu besoin de m'enlever de ganglion la fatigue. Et j'ai pu garder aussi mon mamelon.
fait, c'est des images où je suis pas triste quand je pleure. Parce qu'il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de belles choses qui sont passées au travers de tout ce qui m'est arrivé. Et quand je revois voilà, les infirmières qui ont pris soin de moi, et en fait, tout ce qui s'est passé, j'en tire vraiment... C'est bizarre de dire ça. Pas beaucoup de négatifs, en fait. J'ai une vision de ce qui m'est arrivé qui est un peu singulière, et pour moi, c'était une expérience de vie. Et ben, je l'ai vécu pleinement. Et puis. Et la cloche, c'est quand c'est fini, quand c'est la dernière chimio, ouais, c'est quand ça. C'est la dernière chimio, ouais. Vous avez sonné la cloche et ouais. toutes les infirmières vous ont applaudi. Ouais. Mais je ne savais pas en fait. Enfin, j'en parlais avec mon infirmière Kim, qui était géniale, qui était mon rayon de soleil, et qui m'a dit faut que tu sonnes la cloche quand t'es prête et voilà à la sixième à ta dernière chimio, ce serait bien. Donc je savais pas trop. Et en fait, je suis sortie de ma chambre parce que je venais vraiment de la recevoir. Et puis donc tout le monde était là. C'était hyper, hyper fort. Ouais. Natacha Polony ne pleure toujours pas. On a appris hier que Kate Middleton, finalement, avait un cancer, souffrait d'un cancer, qu'elle a commencé les traitements. Après, effectivement, un moment où, manifestement, le palais de Buckingham n'a pas voulu communiquer, ou elle n'a pas voulu communiquer, il y a eu des couacs de communication. Finalement, c'est bien de dire les choses aussi, tout simplement. Je crois que ça libère. En fait, je crois qu'on a besoin aussi d'être entouré, on a besoin d'être aimé, soutenu, et que d'en parler, moi, en tout cas, ça... Le fait d'en parler, ça a ravivé quelque chose en moi, ça m'a permis de recevoir une énorme vague d'amour. Et en fait, voilà, moi qui suis très sensible aux énergies, et je l'ai ressenti cette vague, et ça m'a porté. Et donc pour ça, ouais, c'est important d'en parler et de ressentir tout cet amour et que ça porte, que ça transporte. Ouais. Natacha. Je trouve ça absolument extraordinaire d'avoir aujourd'hui des gens qui ont le courage d'en parler, parce que j'ai toujours été frappée par le fait qu'on vit dans une société qui évacue le risque de la mort. Et pendant des années, souvenez-vous, personne ne parlait. Quand on était malade, on ne le disait pas. C'est très sain de honte. Le dire. C'est très voilà, il y avait une honte. Et ça nous fait bien. Est mort d'une longue maladie. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Et encore maintenant. Et encore maintenant, mais ça nous fait du bien de réintégrer ce risque, parce qu'on voit à quel point, et vous le dites, ça vous a transformé, ça donne de l'intensité en fait à ce que vous vivez, et je pense que tout l'amour que vous avez pour votre fils sera d'autant plus fort que vous avez conscience que c'est éminemment précieux. Et je pense que c'est quelque chose que nous pouvons tous partager. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est une guitare. Ça, Léa, c'est un moment très gênant. Voilà. Le moment tu ne sais pas. Vous ne savez pas, jeune homme. Alors, Goya, je te coupe juste parce que vous avez prononcé « jeux interdits ». Je pense que la plupart des gens d'ici, de moins de 40 ou 50 ans, ne savent pas de quoi il s'agit. Et comme je suis un Lagoya fils, si vous permettez... On dirait... Je ne sais pas trop l'apprendre. Hein. Bon, je vais répéter, non ? Je l'avais dit. Malaise-le. Ah, merde. Malaise-le. Attendez, je l'avais tout à l'heure. Mais je vois pas la corde, je suis trop gros. Attends. C'est là. Non, c'est pas là. Ah, mais c'est pas la bonne corde, quel con. Ah, c'est la dernière ? Mais pas du tout. Pas du tout. On me dit à l'oreille, prends la dernière. Applaudissements. Ce qui m'étonne le plus dans ce qu'on est en train de voir, ce qui m'étonne le plus, c'est pas Christophe qui essaie désespérément de jouer de la guitare, c'est que je vois que sur le côté de la guitare, on a mis un micro, ça veut dire que quelqu'un y croyait vraiment. Je me souviens encore de mon premier autographe. Ça m'avait vraiment marqué. C'était un monsieur avec sa fille qui m'a attendu à la sortie du métro. Et je me rappelle qu'il a sorti comme ça, il avait les mains qui tremblaient en prenant son papier. Je me suis dit, mais qu'est-ce que... Je me sentais tellement pas légitime de donner les mains qui tremblent. Je me rappelle de ça. C'est surtout ça qui parfois est très étonnant. Et on se sent du coup, on se dit qu'il faut vraiment être à la hauteur quoi, de ça. Pour se sentir tout s'explique. Je vais tout vous expliquer. Comme le vent sous l'aile d'un oiseau. Le
champion en titre garde ce titre. Patrick Fiori, ah ben vous avez déjà le pas, un petit peu lent, des personnes arrivées. Bravo, encore un titre et vous serez qualifié pour la grande finale de juin. J'espère. Qu'est-ce que c'est ? J'avais la fièvre, j'avais 40... Là, j'ai 40 degrés. Oui, bien sûr. Non, mais regardez les yeux, je suis tout enflé et tout. Je me souviens de ce moment. Mais le brushing. Ah non, ben oui, bon. Oh, et l'émission. Bah, c'est quoi cette émission en vrai ? C'était Léon Zitrone, c'était les Abbés du Dimanche, où il y avait plusieurs catégories qui étaient représentées. C'était okay. Sur une chaîne concurrente. Et du coup, ben voilà, j'étais inscrit là-bas et j'ai tout gagné. Bon, j'ai tout gagné et puis rien, parce qu'il y avait une promesse d'album à la fin qui n'a jamais été faite. Voilà. Ce qui est intéressant avec vous, Lara Fabian, c'est toutes les portes fermées, tous les obstacles que vous avez dû péter pour y arriver. J'ai lu en lisant pour préparer l'interview. C'est quand même fou ce que vous aussi vous êtes pris dans la gueule ce soir. C'est un peu le thème. Alors là, entre péter et gueule, on est parti comme en 14. Hein, ça y est, ah, j'ai l'impression d'entendre mon grand-père. Non mais attends, au début, tu chantes trop bien, tu n'y arriveras jamais. On n'a pas besoin d'une Mireille Mathieu de 20 ans. De toute façon, elle est grosse. Et moche. Quand on est moche, quand on est moche, on ne fait pas ce métier. Exact. C'est vraiment ça qu'on vous disait derrière votre dos ou en face ? Non, non, non. Sinon, c'est pas drôle. Hein. Ceux qui s'amusent, ils le disent devant vous. Sinon, c'est pas drôle. Ils vous disent, bien sûr. T'es trop grosse, t'es bien moche. On fait pas ce métier quand on est moche. Ouais. Et tous ces empêchements-là, toutes ces impossibilités-là énoncées par les autres ont été mes plus grands maîtres, mes plus grands enseignants, finalement. Ça a été extraordinaire de voir à quel point j'étais résiliente, résistante, parfois beaucoup plus courageuse que talentueuse, parce qu'en réalité, il m'a fallu beaucoup plus de courage que de talent pour traverser. Vous avez quand même commencé, Boudère, au même moment que Jamel Debbouze. En fait, j'arrivais juste un peu avant, et il y avait cette vague de Jamel, Eric et Ramzy, Gad. Et moi, quand j'ai commencé, ouais, mais... Une fois, j'ai joué dans une salle, il y avait 6 personnes, et dont 4 qui sont trompées de salle. C'était compliqué. Aussi, vous leur dites merci. Ben, bien sûr, parce que bon, on s'accroche, on aime ce métier-là. Il faut être fou pour faire ce métier-là. Il faut vraiment être... Parce que là, on regarde le résultat aujourd'hui, 6 millions, tralala. Mais c'est beaucoup de nuits sans sommeil, beaucoup de sketchs pas drôles, beaucoup d'endroits, beaucoup de théâtres vides. Alors vous comprenez, le bal, c'est milliers de notes qui font danser des centaines de pieds. Quand on arrive avec des textes de sitcom où il y a forcément moins de choses que dans du Molière ou du Shakespeare ou des grands auteurs inoubliables dans le genre, on se dit, merde, qu'est-ce que je vais mettre là-dessus ? Qu'est-ce que je vais défendre là-dessus ? Certains rêvent d'amour, d'autres d'argent, d'autres encore de pouvoir ou d'autres encore de gloire. Vous rêviez de quoi, Laurent ? D'aventure. Ou tout. Ah si, Moi, je trouve que t'as bien répondu, moi. Ah non, si, je vous assure. Oui, moi, je veux vivre des aventures. C'est pour ça que je m'ennuie très vite. C'est pas honnête, vous posez une question. Oui, ça, c'est pas honnête. Pourquoi ? Ah, c'est moi qui suis pas honnête ? Ah oui, c'est pas honnête. Oui, s'il dit ça, c'est que c'est vrai. Voilà. Il a dit frère à Sachant que tout ce que vous avez cité peut être une aventure. Ah oui, c'est ça. Un peu de gloire, un peu de... Non, mais la vérité, c'est quand on veut être comédien, on répare quelque chose. Enfin, il y a quelque chose. Quand on veut être comédien, déjà, on veut réussir à vivre de son métier. Et puis après, tout ce qui arrive... Et ça, c'est une aventure, déjà. Oui, déjà ça, c'est pas mal. Non, ce qu'il y a d'assez fou, c'est peut-être le fait que j'ai rêvé... Enfin, j'ai jamais fait de plan de carrière. J'ai toujours été le petit gamin qui dessinait, parce que j'étais tout seul, j'étais fils unique et tout. J'ai fait les synchroniques pour mon ours. C'est pas sur Madonna que je les ai faits. C'est d'abord pour mon ours, pour qu'il devienne un peu plus féminin. Mais c'est merveilleux de faire avec rien, parce que justement, ça fait trouver des solutions, ça fait trouver des idées pour faire avec peu de choses. En fin de compte, c'est là où on crée, exactement. Et du coup, et ça donne en fin de compte une espèce de force par la suite pour le fait, eh ben, tant pis, on y va au travers, comment, tout, et les obstacles, bon, on a commencé avec rien, donc on n'a rien à perdre. La télé, au début, vous vous en êtes méfié. Vous dites, j'aimais pas ça, la télé, moi, c'était pas mon truc. Oui, puis c'est vrai que l'approche, au départ, elle me plaisait pas trop, c'était un peu biaiseux. Et moi, j'aime les choses claires. Vous savez, quand vous êtes casté, ils ont casté plusieurs chefs avant de me choisir, donc c'est le discours qui me plaisait pas trop. C'est pas net, c'est pas franc, je savais pas trop, mais si vous savez pas, ça m'intéresse pas. Quoi. Enfin, la télé, vous avez commencé très jeune, hein, parce qu'on a trouvé une archive. Ah, mais bien sûr. Bien sûr, 1990, facile. Télé Caroline, ben, oui. FR3. Et là, vous avez, regardez bien la toque, c'est la toque la plus haute du monde, et il a déjà quelques cheveux. Philippe Etchebest, vous avez préparé quelque chose qui est typique chez les Gitans, c'est des grillades, mais voilà. Pas n'importe lesquelles. Voilà, pas n'importe lesquelles, donc ce sont des gambas grillées.
avec une petite charlotte de légumes, mm-hmm. dans laquelle il y a une tombée de fenouil. Et j'ai agrémenté ce plat avec une petite sauce au gingembre, justement, ouais, les recettes de l'amour. Je ne me rappellerai pas les caractéristiques. Oui, Manitas n'en a pas besoin de gingembre. Ouais. Moi, j'ai l'impression qu'il est remonté à lui tout seul. Il n'a pas besoin de support. Bonsoir Léa, vous aussi, vous êtes magnifique. Vous êtes donc la sosie de Lara Fabian, absolument. Même si, pardon, vous, ça ne vous vexez pas, vous, on dirait pas. Oui, ah non, je sais ce que vous dites. C'est normal parce que moi, je suis la sosie de Lara Fabian d'il y a 20 ans. Ah, c'est voilà, bon regardez, ça. Allez, on a tout donné. Si, il y a quelque chose dans la robe un petit peu. Oui, bon, on est sur un sosie non officiel quand même. T'as pas trouvé autre chose à lui dire là que... Quoi ? Attends, c'est pas le non, texte. C'est pas le texte, ça. Si, c'est le non, texte. C'est moi qui ai décidé que ce serait le texte, Charlotte. Non, je suis désolée. Je ne sais pas ce qu'elle raconte. C'est, non, moi, c'est Cathy. Cathy, non, c'est Cathy la sosie. Cathy la sosie. Non, Charlotte. Charlotte. Non. Charlotte, moi, je voudrais que tu dises à Lara Fabian pourquoi tu l'aimes. Avec tes mots à toi. C'est vrai que j'ai cherché des personnages derrière lesquels me planquer. Au début, je voulais venir en marchande de frites. Par rapport à la Belgique, pas ouf. Et puis j'ai pensé à venir en ballerine par rapport à ton rêve de gosse de devenir danseuse étoile. Mais moi non plus, mes cuisses, elles rentraient pas dans le tutu. Mais c'est pas plus mal, on s'en fout, on les emmerde au conservatoire. T'es magnifique. Alors je me suis dit que, comme quand j'étais adolescente, eh ben, j'allais venir en essayant de te ressembler, en espèce de sosie approximatif. Parce que quand j'étais ado, je voulais être chanteuse. Mais même mieux que ça, quand j'étais ado, je voulais être Lara Fabian. Je t'ai écoutée des dizaines de milliers de fois dans ma chambre, avec des posters de Star Club, j'étais abonnée. Et je collectionnais les paroles de tes chansons, tu sais, en carton qu'on pouvait découper à la fin, et j'avais tout mis dans un classeur avec des spirales. Je t'ai écoutée pendant des heures en bagnole, pendant les trajets pour partir en vacances dans le Jura avec mes parents. 7 heures de caisse. Mon frère aurait pu me tuer. Il était plutôt du genre à écouter Trio, tu vois. Je suis allée te voir en concert plein de fois. Et avec ma famille, encore avec mon frère, et avec ma meilleure amie, Marion, qui, comme moi, pleure à chaque fois qu'elle t'écoute chanter. Et tu dis que les larmes, c'est l'eau qui lave. Je crois que nous sommes très propres. Et ce soir, je suis face à toi, j'ai 14 ans. Et en bonne fan que je suis, je t'aurais proposé un duo. Je me dis qu'on peut peut-être faire un trio ensemble, voilà, avec Zoé. Si jamais tu veux nous rejoindre, n'hésite pas. C'est vraiment lui, hein. C'est pas le personnage. J'ai fait semblant, mais là, c'est pour de vrai. Alors, vous avez envie de chanter, Zoé ? Avec plaisir. Ah, génial. On se chope juste la note. Non ? Si, peut-être. Ouais. Amousseur. C'est sûr, tu m'en autre ? Bien sûr. Amousseur, jumeau, frère. De... Vous êtes sur la soprane ou sur l'alto ? Juste pour que je puisse vous aider. Je suis sur l'alto. L'alto. Amousseur. Amousseur, jumeau, frère de rien, mais qui es-tu ? Tu es mon plus grand mystère, mon seul lien contigu. Tu m'enrubanes et m'embryonnes, et tu me gardes à vue. Tu es le seul animal de mon âge perdu. Tu ne parles qu'une langue, aucun mot déçu. Celle qui fait de toi mon autre l'être reconnu. Il n'y a rien à comprendre, et que passe l'intrus qui n'en pourra
rien attendre, car je suis seule à les entendre, les silences et quand j'en tremble. Toi, tu es mon autre. La force de ma foi, ma faiblesse et ma loi, mon insolence et mon droit. Moi, je suis ton autre. Si nous n'étions pas d'ici, nous serions là. Les deux en larmes, là. Moi, je suis rentrée dans vos livres avec ce petit livre très court qui s'appelle Le chemin des morts, que vous avez sorti il y a quelques années, qui est un livre fulgurant sur un jeune juriste, un jeune magistrat qui va se tromper, qui va donner une décision, qui va se tromper, qui va provoquer un drame et tout ce qui le traverse. Donc, si vous voulez rentrer dans l'œuvre de François Sureau, il faut commencer par celui-là et ensuite passer à S'en aller. Mais comme vous avez mille vies, eh bien, on va faire un bureau des légendes. Ce qui est vrai, ce qui est faux, vous nous dites. Vous quittez l'école à l'âge de 15 ans, vous publiez votre premier livre à l'âge de 22 ans, vous devenez très vite une vedette du tout Paris, tout le monde veut vous avoir à sa table, à ses dîners, vous êtes très amusant, vous avez la beauté du diable, vous avez tout pour vous, vous bossez pour Pierre Cardin et Yves Saint-Laurent, vous rencontrez Dali. Est-ce que c'est vrai qu'il vous a dit « Jeune homme, votre trait est trop épais, comme l'est peut-être votre queue ?» Il était grossier, mais il n'aurait pas pu le dire parce que non. Il m'a dit une chose, vous devez laver vos cheveux et alors prendre le cheveu le plus fin et de peindre de manière que ça rende le dessin tout à fait illisible. Alors les gens qui sont très snobs vont vouloir vous le... Mais j'ai beaucoup appris avec lui. Alors c'est vrai, François Sureau, qu'enfant, vous tombez sur une photo de Rimbaud avec une pipe. Ouais. Et là, vous avez la révélation, je veux devenir écrivain. Et pour être écrivain, il faut avoir une pipe. C'est clair. Okay. Et je vais l'allumer. Ah non, l'allumez pas, on n'a plus le droit. Vous fumez toujours la pipe. Ah oui, oui, toujours, depuis que j'ai 16 ans. Oui. En fait, je voulais devenir un écrivain. En fait, pourquoi devient-on ? D'Ormesson disait, un jour, je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais pourquoi est-ce qu'on écrit ? Il m'a répondu, on écrit parce que quelque chose ne va pas. Je trouve que c'est une des réponses. Qu'est-ce qui n'allait pas chez vous ? Plein de trucs, comme chez chacun d'entre nous. Hein, je veux dire. Et donc, on peut être né dans un milieu tout à fait favorisé et trouver la vie tout à fait difficile. Je trouvais la vie difficile et je me disais, au fond, être un écrivain, c'est à la fois être là et ne pas être là. Et donc j'ai essayé de ressembler aux gens qui me fascinaient. Au bout d'un moment, je me suis rendu compte que pour que ça soit crédible, il fallait écrire des livres. Je plaisante à peine. Alors j'ai commencé à en écrire. Est-ce que vous avez fait fortune en vendant des pins fabriqués à Taïwan ? Oui. Ça ne va pas vous plaire, c'est vrai, ça, c'est vrai. Charlotte. C'est vrai. Mais vous n'avez pas honte ? J'avais pas du tout honte et j'ai toujours pas honte. J'ai fait vivre beaucoup de gens en France. Et c'était quoi comme pins, ce genre ? Ah, c'était des millions de pins pour des entreprises. Ah, c'était en 92. C'est votre premier million ? Oui, c'était effectivement mes premiers millions, oui. Et c'est ça qui m'a permis d'investir dans un spectacle qui s'appelait La Java des mémoires de Roger Louret, grand metteur en scène. Est-ce que c'est vrai que vous avez inventé deux noms de parfums cultes, Opium d'Yves Saint-Laurent et Poison de Dior ? Oui, et d'autres. Et c'est pas mal, ça fait des bonnes royalties, on n'est pas au milliard, mais on est pas mal. Ça aurait été le cas avec Opium, mais c'était des amis et je ne leur ai pas fait payer. Poison, ils ont... Donc vous n'avez pas fait payer à Pierre Berger et Yves Saint-Laurent ? En revanche, Dior, vous avez fait payer pour Poison. Oui, non, c'était eux qui m'avaient demandé et j'ai accepté, voilà. Est-ce que vous avez rêvé successivement d'être maire de Bordeaux, député et ministre de la Culture ? C'est pas dans le bon ordre, il n'y a pas tout. Mais... Qu'est-ce qui manque ? Qu'est-ce qui manque, Jean-Marc Dumontel ? J'ai vécu à Bordeaux, j'ai rencontré Jacques Chaban-Delmas. Donc là, vraiment, on s'adresse à un public très vieux. J'ai été sur la liste de Chaban en 89. Vous auriez aimé être maire de Bordeaux ? Je ne sais pas si j'aurais aimé, parce que c'est passé, mais c'était en tout cas un fantasme quand j'avais 20 ans. C'était Et ministre de la Culture ? Ministre de la Culture, j'ai postulé. Donc à partir du moment c'est ce que je trouve génial, c'est que vous êtes le seul à dire « Oui, j'ai candidaté pour être ministre ». J'ai postulé en 2022, je n'ai pas été prise. Voilà, c'est le choix, il n'y a aucun souci. Si jamais il l'avait fait, personne n'en saurait rien, parce que Paris est plein des 2874 personnes dont je connais environ le tiers, qui se répandent en disant que Macron, à un moment ou à un autre, leur a proposé la culture, les armées, c'est vrai que les postes, les postes, les télégraphes.
Avec tous les gars auxquels Macron est censé avoir proposé des ministères, on pourrait composer un parlement bulgare. Il vous dit, te dire que tu seras heureux, François-Marie, un jour, je ne voudrais pas te décourager, mais je n'y crois pas. Oui, ben il s'est trompé. Ah, il s'est trompé ? Ben oui, parce que je suis très heureux. Je vis depuis 30 ans avec un grand photographe, qui est Martin Dorgeval. Depuis 55 ans, nous vivons ensemble. Pascal Grégory a sa vie, mais il vit à côté de moi et chez moi. Et je peux lui parler toutes les minutes de tout ce que je fais. Vous êtes en trio, en fait, ou c'est... C'est pas le trio. C'est un trouple, ça s'appelle. C'est un couple à trois. Non, parce qu'il y a le couple à trois... C'est pas tout à fait ça, je suis très ferré là-dessus, parce que Lily Brick vivait avec son mari et Mayakovsky. Mais comme elle le dit dans le livre, elle ne couchait pas avec les deux à la fois. Ah non, pas en même temps. On n'allait pas jusque-là, en fait, dans la question. Vous êtes bien prude. Pardonnez-moi. Vous êtes bien prude. Non, non, c'était une question. Je chante pour passer le temps, petit, qu'il me reste de vivre, comme on dessine sur le givre. Comme on se fait le cœur content à lancer cailloux sur les temps, je chante pour passer le temps. J'ai vécu le jour des merveilles, vous et moi, souvenez-vous-en. Et j'ai franchi le mur des ans, des miracles plein les oreilles. Notre univers n'est plus pareil. J'ai vécu le jour des merveilles. Oui, pour passer le temps, je chante. Au violon s'use l'archet, la pierre, au jeu du ricochet. Et que mon amour est touchante, près de moi, dans l'ombre penchante. Oui, pour passer le temps, je chante. Qui dit littérature dit petite papeterie. Alors, la petite papeterie, c'est quoi ? C'est notre émission littéraire. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour une émission littéraire ? Il faut une lumière un petit peu tamisée. Il faut une petite musique de jazz, hein, parce que là, ça fait intelligent, jazz. Et puis, une petite coiffure décoiffée. Parce que, alors, les chroniqueurs littéraires, ils dorment avec les bouquins, donc ils n'ont pas le temps de se coiffer. Et puis... Les lunettes, tout de suite, ça fait un petit peu moins con. Alors, la petite papeterie, ce soir, c'est pour qui, la petite papeterie ? C'est pour les gens qui aiment liser et qui croient. Il y a des gens qui croient encore que la littérature, Léa, peut sauver le monde. Alors, Darius s'est barré, mais son livre est formidable. À n'en pas douter, voilà. Il va faire un best-seller, mais on va parler des petits auteurs qui vont vendre 12 livres. Alors, il y a un livre magnifique, on commence par « Guerre et guerre ». C'est d'Emmanuel Macron. Eh oui, bah, depuis le salon de l'agriculture, il est énervé, il veut taper des gens. Voilà. Alors, dans la série aussi, il y a les frères Kalachnikov. Les frères Kalachnikov, c'est le récit de la famille Delon et de leur amour pour les armes à feu. Delon. Ça, voilà, ça c'est une très belle photo, c'est la dernière photo où ils pouvaient s'encadrer. Voilà, ils faisaient semblant. Alors on a aussi dévoré La Petite Papeterie, un roman érotique, c'est aussi de la littérature. Mille et une nuits sous hypnose de Gérard Miller, qui est aussi l'auteur du pelotage au bout de la nuit aux éditions Albin Pucelle. Je vous encourage à le lire, ce salopard. Brigitte, alors, beaucoup. Bien sûr, là maintenant on va changer d'univers, on revient à la guerre avec un livre sur la guerre, Marche ou Kiev, de Volodymyr Zelensky. Marche ou Kiev, il est là. Ça, c'est encore mon GG Miller. On peut le balancer, on n'a rien à foutre. Alors, Marche ou Kiev, c'est Volodymyr Zelensky. Alors, dans la série, après Marche ou Kiev, si vous êtes allergique au gluten, mais que vous supportez le plutonium bio, Vladimir Poutine vous propose son livre de cuisine. 50 recettes pour partir léger. Une cuisine minceur ou comment perdre 37 kilos en 6 heures. Et ça marche, demandez à Navalny. Un livre aussi. On va faire un tour aux États-Unis et avec un livre sur l'actuel président américain et sur le drame de l'incontinence. Rencontre avec Joe Flack. Ça, c'est bouleversant. On a adoré. Un roman d'amour encore, hein, d'un jeune auteur, il nous a bouleversés, il s'appelle Jonathan Daval, et il nous a séduit avec « Et si c'est un homme ?», un ouvrage sur une romance torride et carcérale, avec le troublant Guy Georges. Voilà. Et puis il y a aussi une biographie officielle d'Émile Louis, « L'homme qui murmurait à l'oreille des trisots ». Ça c'est magnifique. Oui, il l'aurait fait, Jérémy Ferrari l'aurait fait, donc on peut la faire. Voilà. Oui, mais lui, oui, mais on n'oublie pas non plus Francis Holm, qui nous propose un guide pratique sur la déco d'intérieur. Ça s'appelle Holm, Sweet Holm. Voilà.
Enfin, un petit tour du côté des romans policiers. L'expression roman policier, vous le savez, étant la seule chose qui relie un gendarme à la lecture. Alors, Jardinage et botanique. Jardinage et botanique, une passion nantaise. C'est l'ouvrage culte de Xavier Dupont de Ligonnès. Oh. Et il est partout, Xavier. Il a un portrait magnifique dans Modes et travaux spécial terrasse. Ça, il y a des petits conseils de bricoleur. C'est merveilleux. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Dans l'actualité ce soir, le choc à Nantes où une famille de 6 personnes était portée disparue. Plusieurs corps ont été retrouvés aujourd'hui à leur domicile. 3 corps et même un quatrième juste à l'instant ont été découverts au domicile d'un couple et de ses 4 enfants. Des gens qualifiés de sans histoire mais qui n'avaient pas donné signe de vie depuis le 4 avril dernier. En creusant, les policiers viennent de déterrer le bout d'une jambe suivi d'un corps tout entier. Au total, ils découvriront 5 cadavres. La mère et ses 4 enfants enveloppés dans des sacs de jute enduits de chauvilles. Et l'enquête bascule donc malheureusement nettement sur une qualification criminelle de séquestration et d'assassinat. L'autopsie révélera qu'ils sont morts dans leur sommeil. Chacun d'au moins 2 balles dans la tête. Seul le père Xavier reste introuvable. Et en fait, c'est un feuilleton, l'affaire Dupont de Ligonnès. C'est un feuilleton moderne, avec les éléments modernes de la communication moderne et l'intérêt naturel de c'est quoi la vérité de cette affaire. C'est quoi la vérité de cette affaire. Ah ben, il nous avait déjà dit la dernière fois qu'il était là qu'il pensait probablement M. Dupont de Ligonnès vivant. Hein. Vous avez une Donc vous êtes très un petit claire. Peu comme sa sœur. Non, non, j'ai pas dit ça, j'ai dit pas de cadavre, pas de cadavre. Pas de solution. Pas de cadavre. Je vais commencer par vous raconter une petite anecdote qui est le procès Landru. Ça date pas d'hier. Un très grand avocat, maître de Moreau Giaferi, défend, avec les plus grandes difficultés du monde, Landru, qui est un acteur extraordinaire, qui tient son procès. Très bon chauffagiste. Magnifique, magnifique. Qui tient son procès, qui fait tourner tout le monde en bourrique, etc. À un moment, maître de Moreau Giaferi, donc, il y a des dizaines de victimes, évidemment, retrouvées dans les conditions qu'on peut imaginer, donc assez peu. Il n'y a pas d'ADN à l'époque, tout ça relève de... à la fois de l'hypothèse, de la démonstration, de quelques éléments trouvés ici. Et à un moment, Moreau Giaferi dit « Ah mais... » Alors, prends Landru, mais je vais vous faire ça avec Dupont de Ligonnès. « Ah mais, Dupont de Ligonnès, il est ici, regardez, il va rentrer !» Et toute la salle se tourne et Moreau Giaferi dit « Voyez, vous y croyez ?» Et cette démonstration est celle que mon client est peut-être innocent. Parce que dans l'idée que nous nous faisons nous-mêmes des mystères de la vie et de la mort et des disparitions, il y a toujours un moment où on a ce doute extraordinaire et qui est l'arme la plus puissante des avocats, le doute. Et c'est ce qu'elle fait, la sœur ? Non, la sœur, elle a tous les droits parce qu'elle est la sœur. Comme les victimes ont tous les droits parce qu'elles sont les victimes. Après, quand vous regardez la démonstration de la sœur, parce qu'il y a à la fois ce qu'elle croit et ce qu'elle essaye de démontrer. La démonstration s'effondre de manière assez rapide. Le seul élément qui reste, c'est... Alors, les cadavres sont les cadavres de la famille, les morts sont les morts, ils n'ont pas disparu, ils n'ont pas été enrôlés par la CIA et envoyés je ne sais pas où. Il reste la disparition de Dupont de Ligonnès lui-même. Tant qu'il n'est pas mort, lui, tant que son cadavre n'est pas retrouvé, tant qu'il n'y a pas un signe de sa disparition, l'hypothèse la plus probable est qu'il n'est pas mort, c'est tout. J'ai un petit scoop. Ah ? Xavier de Ligonnès est en coulisses depuis tout à l'heure. Bon. Il a fait un break, il a pris 3 jours sur son boulot d'espion, qui lui prend beaucoup de temps. Et j'étais avec lui il y a 2 minutes, et il ne veut pas aller en plateau parce que c'est un grand timide. Voilà, il me dit voilà, moi je respecte ça, tu vois, il a son petit jardin secret, et il a sa petite terrasse secrète, enfin, moins secrète. Je vous dis toute la vérité, on a même fait. Moi, je suis fan, donc j'ai demandé un selfie. Bon, voilà, vous voyez qu'on s'est marré en loge. Christine Dupont de Ligonnès, la sœur de Xavier, qui clame l'innocence de son frère dans un livre, elle est persuadée qu'il est aux États-Unis avec sa famille, qu'il a été exfiltré aux États-Unis sous la protection des Américains. Je fais des trous, des petits trous, encore voilà. Des petits trous. C'est la chanson préférée de Xavier. Grâce à Christine de Ligonnès, Kiki de Ligo, on est rassuré. Kiki nous a ouvert les yeux. Tout le monde va bien. Même le chien qu'on a vu récemment aux Oscars,
car le chien des deux Ligonnès fait une jolie carrière franco-américaine. Oui, c'est Messi, le chien d'Anatomie d'une chute. Et il a 34 ans, ce qui est un bel âge pour un border collie. On embrasse toute la famille de Ligonnès. Alors, est-ce qu'ils sont à New York, Los Angeles? On ne sait pas trop, mais vu les fonctions d'agent secret de Xavier, moi, je miserais sur Washington. Washington, c'est 5 heures de moins. Oui, il a à peu près 20 heures pour eux, donc ils doivent être à table. Enjoy your meal, enjoy your Big Mac. Kissou, kissou, la famille de Ligonnès. Donc la sœur, c'est vrai qu'elle nous a expliqué ici que, voilà, elle le dit innocent. Il y a quand même des éléments qui l'accusent. On lui a rappelé que quand même l'achat d'une pioche, de scotch, de chaux vifs, de sac à ciment par Xavier Dupont-Ligonnès avant la disparition. Ça, pardon Léa, ça ne prouve rien. Qui, en flânant dans la rue, n'a pas eu envie un jour d'acheter un sac de chaux vifs et un sac de ciment? Et c'est ce qu'on appelle l'achat compulsif quand on fait du shopping. Vous, pardon mesdames, il a dû vous arriver en rentrant chez vous de dire à votre mari: écoute, tu vas m'engueuler, mais j'ai craqué pour ce petit sac de ciment, il est magnifique, il va absolument avec tout. Ça peut arriver à tout le monde. Donc Kiki de Ligonnès nous a tout bien expliqué. Les corps découverts sous la terrasse à Nantes ne sont pas ceux de la femme de Xavier et de leurs 4 enfants. Ok. Mais ils sont forcément à quelqu'un, quand même. C'est... Non, parce que c'est obligé que, quand même... Ça veut dire, donc, que depuis 2011, il y a un mec à Nantes qui cherche sa femme. Et ses 4 enfants et son chien, il doit être dans Nantes, il doit faire... Sandrine, les enfants, Pépette, il galère. Voilà. Alors, si jamais il nous écoute ce soir, on a une bonne et une mauvaise nouvelle pour lui. La bonne, c'est qu'on les a retrouvés. La mauvaise, c'est qu'ils ont beaucoup changé physiquement. De source de bonheur, de source de fierté. Et c'est vrai que rien de voir votre visage comme ça et toutes ces joies que vous nous avez données, ben voilà, merci quoi. Alors, oh, c'est bon les applaudissements. Oui, on en fait trop. C'est bon. On en fait trop. Vous les mettez où toutes ces médailles? Il y a une pièce spéciale à la maison? Ça, c'est une question particulière. T'es pas obligé de dire la vérité. Non, ils sont dans un coffre-fort. C'est vrai? Ah ouais? Bah oui. À la banque? C'est mon petit patrimoine à moi. Bah oui, je sais bien. Je me suis donné tellement de mal que, oui, non, je fais attention où elles sont, dans un coffre-fort. Donc vous les regardez jamais? C'est de temps en temps quand les enfants le demandent ou quand il y a une couve de magazine à faire ou bien on me demande de les sortir. Et donc quoi, vous les sortez à ce moment-là? Ouais, c'est ça. Et c'est aussi 2000 couvertures de magazines, Sylvie Vartan. Ça, j'avoue, je ne les compte pas, mais quelqu'un les a comptées pour moi. Hein. C'est énorme. Non, mais est-ce que vous savez que vous en avez fait plus que Catherine Deneuve et Brigitte Bardot? Écoutez, il n'y a pas de compétition là-dedans. Non, mais je vous le dis, vous les avez pliées. Je sais pas. De presse, ce qu'on voit derrière moi, c'est presse française et presse internationale. Vous avez fait des coups. En fait, vous étiez Kim Kardashian avant Kim Kardashian. Ouais, pas tout à fait. Non. Il y en a une qui a une grosse carrière et l'autre un gros derrière. Est-ce que ça peut péter les plombs au succès? Est-ce que vous avez pété les plombs? Moi, non.
J'ai pas pété les plombs. En revanche, ça a été le déclencheur de ma dépression. Enfin, ça l'a accentué, mais pas parce que j'ai pas supporté le succès. C'est parce que j'étais convaincu que le succès allait apaiser mes problèmes et que ça n'a pas été le cas. Et donc, quand vous avez des psychiatres qui vous disent vous n'avez rien, tes proches te disent bah tu as tout. Et alors, t'arrives pas à... Écoutez, moi, je vais vous rassurer. Charlie Chaplin était exactement dans la même position que vous. C'est pas mal, non? Oui, mais il avait pas de texte à apprendre. Non, mais c'est beau, ceci dit. Il a toujours été angoissé, Chaplin. Les grands comiques sont des grands angoissés. Jean Poiret prenait 4 ou 5 tranxènes par jour. Jacqueline Maillan, 4 ou 5 tranxènes par jour. C'est parce que vous êtes angoissé et révolté que vous êtes comique. Il faut pas que ça s'arrête. Gardez votre angoisse. C'est votre flamme, c'est votre... Vous avez raison. Ah ben, elle a raison. Elle a raison. Ça mais vous n'avez pas pété les plombs. Pourquoi à ce moment-là même, ben pourquoi faire? Oui, mais ça arrive à d'autres. C'est je comme fais ça. Que de la musique, il y a des gens qui sauvent des vies. Hein. D'accord. Donc, oui, mais d'accord, ça c'est envie de vous dire oui, mais oui. Ça, c'est facile à dire, mais il y a des gens qui ça leur fait péter les plombs. La quoi, famille, c'est ça. C'est papa, la famille qui maman, vous laisse. La famille, accompagnée, jamais forcée, ouais, cette envie à chaque fois de faire plaisir à l'enfant que j'étais, voilà, mon père, ma mère, c'est des gens. C'est des gens adorables. Mon père qui encore aujourd'hui peut dépanner le mec sur la route, qui a le pneu crevé, ma mère qui mène ça à tata parce qu'elle n'a pas bien mangé. Là. Enfin, c'est que ça, quoi. Et moi, j'ai baigné là-dedans. Je suis né dans la générosité. Et, ouais, et on je ne l'ai pas choisi puisqu'ils étaient famille d'accueil, ils étaient tout ça. Donc voilà, je suis ces gens-là. Ça me fait penser à quelque chose que je trouve très chouette. Vous m'avez fait me rappeler de quelque chose. Il y a quelques années, je disais, quand on me parlait de ça, je sortais juste de cure de désintoxication, on me disait, si vous deviez échanger un esprit sain contre votre carrière, et je disais toujours, je garderais l'esprit sain et j'aurais éliminé ma carrière. Et vous voyez, maintenant, je pense que ça va beaucoup mieux, parce que maintenant, je me dis, non, en fait, je garde ce cerveau, parce que je me rends compte maintenant que j'arrive à mieux le maîtriser de tout ce qui m'apporte. Ce que vous ne dites pas, c'est qu'il est, il est pistonné. Il est pistonné, c'est le fils de Jean-Pierre Castaldi et Muriel Robin. Je vous présente Jacques et Marie-Antoinette. Un peu. En tout cas, pas mal, Patrick... Pas mal. Tu vas venir en Corse en vacances? Non, juste préviens, parce que tu sais, il y a un proverbe qui dit « Venez en Corse, vous n'en reviendrez pas, c'est comme le Nord !» Johnny, un mot. Que je t'aime. Magnifique. On nous prête tellement de choses en commun. Quand est-ce qu'on s'assied et qu'on en parle? Pourquoi m'as-tu menti? Ah, il vous a menti? À quel sujet? Il n'a pas été 100% sincère, c'est tout. Liliane Bettencourt, un mot. Merci. Laetitia. Joker. Votre père, Alain Delon. Le samouraï. Le samouraï? Oui, c'est le samouraï, on l'appelle le samouraï. On se parle avec les yeux. Très grand acteur. Alain Delon, je lui dirais que je n'ai pas oublié ce que je lui ai promis un jour, il y a 20 ans, sur une falaise au-dessus de Tanger, sur la colline de la vieille montagne. Je n'ai pas oublié cela. Et on saura et pas comme quoi je, non, mais comme je sais qu'il nous écoute ce soir, je voudrais qu'il entende ça, que je n'ai pas oublié. La promesse? La promesse que je lui ai faite. Oh là là, on a envie de savoir ce que c'est. Ah oui. Donc, on n'aura pas Demandez-lui. Quand est-ce qu'on chante ensemble? Vous trouvez ça, ce serait super, vous trouvez ça bien comme choix pour la cérémonie des JO? Ayana Kamoura. Est-ce qu'un jugement là-dessus a un sens, surtout de la part d'une autre chanteuse? Moi, je trouve ça merveilleux si elle est heureuse avec cette idée. Je trouve que c'est une très belle idée, moi. Elle est peut-être disruptive pour certains. Moi, je la trouve belle, cette idée. Laura. Aussi une jeune femme qui a trouvé son équilibre, beaucoup de force, une belle comédienne, elle a un enfant magnifique. Et... Bravo, ma belle. C'est bien. David. Ben, moi, je suis très fière de mon fils. Bon, ça paraît normal pour une mère, mais non. Je ne suis pas quelqu'un de complaisant. Et mon fils, ma bataille, c'est ma vie. Il dit d'ailleurs, il dit dans le livre, « Ma maman m'a sauvée de tout. » Pas tout à fait, moi, mais j'ai été aidée aussi. Mais c'est vrai que l'amour n'a pas de limite.
Françoise Bettencourt Meyers, un mot. C'est bien le silence. Hein. Amanda Lear à Salvador Dali. Pourquoi tu m'as menti? Non, vraiment. Il m'a menti aussi. Vous savez. Je savais c'est bien. Un problème. Je sentais bien, je sentais bien. Ouais, je dirais pourquoi tu m'as trompé alors. Ah ben dis donc. Ah ouais. Et je leur en veux. Ah ben ça je vois, c'est pas passé. Hein. Oui. Gendarme sont votre grand ami. Dis quand reviendras-tu? Et François-Marie Bagné, pour terminer, vous lui dites quoi, celui-là? Qu'il a vieilli. À quand le retour au roman? Voilà. J'ai écrit des romans il y a très longtemps, ça fait bien longtemps que j'ai un roman en chantier. J'adorerais prendre le temps d'écrire un roman. Ah, je prendrais une citation, enfin un mot de mon petit-fils, de mon petit-fils Cameron, qui disait « Tu vas encore faire Sylvie Vartan ?» Est-ce que tu serais d'accord que je te parle quand t'es toute petite? Quand est-ce que tu prends ta retraite? Oui, vous aviez dit à 5 ans, je prends ma retraite. Finalement, vous ne l'avez pas fait. Mais je suis à la retraite, là. Une retraite active. Voilà. Peut-être j'ai envie de lui dire qu'il faut savoir dire merci à ses parents. Ça, c'est la... Je pense que quand on les a plus, je crois que c'est ce qu'on a envie de dire en permanence. Et quelles questions vous poseriez à vous-même, Cassero? Est-ce que le moment n'est pas venu de se taire? Je crois que je vais faire un heureux parmi les invités, c'est Boudère. Oh, vous oui. avez, il y a quelque temps, Boudère participait à un match de football avec Paul de Saint-Sernin. Il y a eu, durant cette partie, un incident de jeu. On revoit les images, bon. Assez terrible. Cet incident, on le voit, ouais. qui implique le pied de Paul lancé à toute vitesse, de haut en bas, en direction de l'entrejambe de Boudère. C'est ce qu'on appelle un drop dans les ralouettes. Et ce soir, j'ai une bonne nouvelle. Je vous annonce qu'on a retrouvé quelqu'un qui vous a manqué énormément. On l'accueille tout de suite. Eh bien, regardez, on a retrouvé la couille à Boudère. Alors... Va dormir, mon fils. Je vous souhaite de belles retrouvailles. Oh mon Dieu. Je crois que c'était le point d'orgue de cette chronique. On aura tout fait à Jean-Marc ce soir. Buckingham Palace a annoncé que Charles III souffrait d'une forme de cancer. Oui. On ne sait pas laquelle. Oui. God save the Queen. Et God save the King. Et God save the prostate. Et God save le cancer de la vessie de Charlie. En fait, il a beaucoup de boulot, God, avec Charlie. Alors, il y a un mystère autour de l'emplacement de la tumeur. On connaissait Where's William. Et là, on découvre la nouvelle version du jeu, c'est Where's the cancer of Charles. Alors, il y a un petit côté sympa, il y a un côté ludique, c'est vrai. C'est pas drôle. On peut dire, chercher the cancer is in the prostate. Non. Maybe in the right testicle, le couille droite. The left testicle, le couille gauche. Maybe in the pipi pocket, in the vessie. Voilà, comme ça, on apprend en s'amusant. Vous voyez, le cancer, c'est tout de suite plus ludique. Avec des bruitages. En tout cas, Charles III a commencé son traitement et va dorénavant être très régulièrement suivi par les médecins. Bien sûr. Alors, ça ne doit pas être évident quand tu es roi, à la base. Et puis là, à l'hôpital, la maladie, ça te remet au même niveau que tout le monde, tu vois. Le médecin, il doit dire « Bon, ben, déshabillez-vous, je reviens dans 5 minutes. » Et là, t'as Charles, il doit avoir sa petite blouse avec le cul à l'air, comme ça. Le... Et je suis sûr qu'il a dû se poser la question. C'est normal, il a dû se dire « Est-ce que je garde la couronne ?» Non, mais c'est une vraie question. Quand t'es tout nu, avec les deux mains sur le zigouigoui, tu te dis, est-ce que la couronne me donne l'air plus solennel ou est-ce que j'ai l'air plus con avec ça? C'est une vraie question. Pour finir, le nageur Théo Curin est entré au musée Grévin. Ouais.
C'est le premier athlète handisport à avoir sa statue de cire. Et vous étiez à l'inauguration au musée Grévin, petit filou. Image exclusive, regardez. Félicitez-moi en me disant que j'étais très courageux et que j'avais su rebondir très très fort et très très vite. Mais c'est vraiment grâce à vous tous, les oncles, les tantes, les cousins, les cousines, mes parents, ma sœur. Et je pense que vous tous, enfin ma famille, vous mériterez tous une statue au musée Grévin pour votre courage. Théo a perdu ses 4 membres, c'est 2 de plus que les Beatles. Et pourtant, lui a continué à se produire partout dans le monde. J'ai envie de dire, petite bite, les Beatles. Alors, on sait que le musée Grévin fait face à des difficultés financières et c'est assez malin de choisir des people comme ça, sans bras et sans jambes. Ça coûte moins cher déjà en matière première. Et sachez-le, en décembre, ils ont retiré la statue de Depardieu et Théo Curin était fabriqué avec juste un mollet de Gérard. Alors, ça m'est arrivé, c'est vrai. On s'est tous moqués, c'est vrai qu'on se balade dans le musée Grévin, puis on regarde les trucs, on fait « Oh, Nadine Morano !» Et puis on regarde les étiquettes et c'est marqué « Marilyn Monroe ». On dit « Ah, ils l'ont un peu raté quand même !» Moi, j'essaye de reconnaître, je dis « Oh, Jean-Louis Borloo !» Non, c'est José Dayan. Bon, non. Et à un moment donné, je me balade, je dis « Putain, il y a Paul de Saint-Sernin qui a déjà ça !» Et non, c'était Louis XVI, donc rien à voir. Mais il y a un truc assez fou, c'est que la statue de Théo Curin ressemble à Théo Curin. Et même s'il est assis, on se sent tout petit à côté de Théo Curin. Ah, bravo! J'ai cueilli ce brin de bruyère. L'automne est morte, souvient-on. Nous ne nous verrons plus sur Terre. Odeur du temps, brin de bruyère. Et souviens-toi que je t'attends. Voilà. Et c'est la fin de Quelle époque. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci à Paul de Saint-Sernin. Merci à vous, mon filou. Bravo. Et merci à vous, Léa. Bonne soirée. Merci, mon Christophe. Et bravo à vous si vous allez dans une pharmacie, que vous dites sortez couvert et que vous repartez, si vous avez jusqu'à 26 ans, avec une boîte de préservatifs gratuit pour casser les meubles et faire les fous tout le week-end. Bonne soirée, bon week-end. À la semaine prochaine, même heure, sur France 2, pour Quelle époque. Très belle soirée à vous, très belle nuit. Pourquoi Quelle époque ? À tous les lits. Pas d'émoji dans les messages, on s'embrouille. Casse pas les couilles, je veux pas ton avis sur tout. D'ailleurs, je veux pas que tu m'écoutes. Précède d'arrêter, j'envisage de faire un mytho. Toi, ton dos, chaque, remets une couche. Numéro 4, Dangerous. La mémoire est courte, c'est moi qui ai ouvert l'autoroute. Sale, en fait, ça a l'air de t'étonner.